Bonjour, bonjour. En espérant que tout marche correctement. Attendez, je rate si ça veut bien fonctionner correctement, parce que ce serait bien qu'il y ait les ventilos qui marchent. Voilà, les ventilos marchent. C'est parfait. Je vais réinitialiser la webcam parce que là, elle fait un peu la gueule. Alors, je vous préviens, ça fait très longtemps que j'ai pas live avec la PS5 et avec le boîtier d'acquisition Avermedia. J'espère que ça va bien se passer parce que là j'ai vraiment aucune garantie de ça va marcher correctement, ça va pas marcher correctement. Donc là c'est un petit peu le test. Alors j'ai joué un petit peu, j'ai juste testé le comment on appelle là, bah le j'ai juste testé le tuto, voir ce que ça donnait un petit peu. On va voir, vous me dites si le son est bon, si tout va bien quand je vais être lancé, voilà. Alors je vais déjà pas fort chez moi, donc on va monter un peu plus quand même. Alors attention, hop. 2 secondes. Merci Mitsurugi. Putain, il veut pas que je monte ou quoi? Ah, je crois que j'ai fait planter le jeu en faisant ça. Non! Ça va me refaire comme l'autre fois, non! Ah putain. Alors attendez, j'espère que ça va marcher, sinon je vais devoir redémarrer le live. En fait, il aime pas du tout que je fasse ça quand je suis déjà en live. J'ai remarqué ça l'autre fois. C'est, je suis en live et je lui dis lance-moi ça et il fait ah ah ah, je veux pas lancer ça. Donc espérons que ça marche bien. Espérons que ça remarche plutôt. J'ai frôlé le permaban. Oh non, putain, il me le refait. Attends, je vérifie. Il me le refait. Attendez. J'ai le son en fond. Kena, ça ressemble trop à la maison d'édition Kana et la société pour le loto Keno. Du coup, ça me perturbe. Waouh, il t'en faut quand même vachement peu pour être perturbé, hein. Attendez. T'as lu le chapitre de Kaiju hier? Non, je l'ai pas encore lu. Je savais même pas qu'il sortait hier. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent les chapitres de Kena. De Kena, oula! De ça. Alors, 2 secondes, on va monter un petit peu le son. Voilà. Hop, on le met comme ça. On va rebasculer sur le live. Comprends que je suis en live, mon grand, s'il te plaît. Merci bien. Et voilà. Alors, dites-moi si le son est trop fort ou autre, parce que je peux pas trop faire la bascule, moi. Je vous préviens. Donc, j'ai juste fait le tuto pour l'instant. Donc tu l'as finalement acheté. Ouais, je l'ai finalement acheté parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Et honnêtement, je suis pas vraiment déçu là pour l'instant. Hein. Le son nickel, tant mieux. Donc là, j'ai commencé le jeu il n'y a pas longtemps. Il se passe pas grand-chose. Attendez, je vais juste voir si je peux quand même faire ça ou si le jeu va me dire fuck. Non, c'est bon. Je veux juste changer un tout petit peu ma caméra pour zoomer. J'espère que vous aurez pas de grésillement parce que j'en ai un petit peu chez moi. Faut vraiment que je soulage un peu le PC. Hop là. Donc j'ai fait un petit peu le tuto. Il y a juste, ils m'ont juste filé quelques infos. J'ai récupéré des petits trucs que vous voyez là autour de moi, là, ces petites bestioles là. Voilà. Hop. Et je me rappelle plus du tout ce que j'étais en train de faire, tu vois. Attends, je t'envoie en privé Discord. Okay. Ah, on retrouve le méchant. Je pense que ça c'est la fin du tuto. Parce que je l'ai commencé vite fait, mais je l'avais pas fini. T'es un robot, bah du coup t'es pas perturbé normalement. Lui, il a pas l'air gentil, tu vois. Trop mignon ces petites bestioles, franchement. Putain, le mec, il a passé une sale journée pour être aussi triste. You must move on.
Ça va, Mitsurugi. Marukuru. Salut. Ok, donc lui, c'est quand même un mec un peu plus balèze que ce que j'ai fait avant. Alors, maintenez... Alors, appuyez et maintenez un pour bouclier. Hop là. Ah ah! Ok, bon, il y a quand même des limites à mon bouclier, à ce que je vois. Hop, raté. Aïe, mais c'est pas gentil de taper les gens. Ah! Qu'est-ce que je peux? Hop là! Ah, t'as pas esquivé, mon gars. Oh putain. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie, je. Allez, vas-y, on le finit. Oh voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. Je récupère les larmes là. Bim. Ah, trop loin. Bim. Franchement, le jeu est beau. Alors, pour ceux qui demanderaient, je suis actuellement sur PlayStation 5. Utilise mes capacités en normes. Mais je les ai tous utilisés avec ma femme cette nuit. J'en ai plus en réserve. Il faut que ça se recharge. Il y a un CD de 24 heures. Elles sont trop mignonnes, ces créatures. Tu vois, quand ma fille dira je voudrais un chien, je dirais non. On attend pour l'animal de compagnie qu'ils arrivent à recréer ces bestioles-là, parce que je veux ces bestioles-là. Par contre, c'est très perturbant parce que tu commences vraiment dans le vif du sujet. Hein. C'est-à-dire que ça lance directement le jeu, quoi. T'as pas d'intrigue et tout. Hein. Enfin, pas au début. Ah, un petit passage en anglais. Ils ont oublié de traduire cette phrase-là en français. C'est trop mignon, je trouve. Je trouve que le son du jeu est pas très fort, non? Hop, option audio, juste un tout petit peu baisser la musique pour mettre les dialogues au-dessus. Voilà, on verra bien. Une chute de quoi, les gars? Toujours, le chapeau bouge pas. Ouais, bah alors là, t'inquiète pas que moi non plus j'entends rien. Hein. Au cas où tu te poserais la question. Attends. Tiens, hop. Je te montre le son. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Charles and we'll take you to the mountain. C'est bon le son là? Aider Taro. Come on. Trouver Taro dans la forêt, d'accord. Bravo, Hello. Je suis sur PC ou tel. Tu parles pas de moi, j'espère. Concernant ton vœu de vouloir boxer les kangourous, t'auras peut-être pas besoin de faire le voyage vu qu'on va peut-être en venir aux mains avec eux suite à cette affaire de sous-marin. Ah, je suis pas au courant. Ah, c'est joli quand même. Bah déjà, faudrait que t'aies payé 30 euros, Taker, pour que je te rembourse 30 euros. Hein? T'es même pas abonné. T'as même pas le petit badge des 1 bit donné, tu vois. T'as même pas le premier badge. Je devrais même pas te parler. Je devrais même pas lire tes messages. C'est joli. Alors ouais, je me suis posé la question du est-ce que je vais acheter le jeu ou pas, parce que quand j'ai commencé, quand j'ai regardé un petit peu les infos, ils m'avaient emballé de ouf, et le fait qu'il n'y ait pas les jeux qui... Je suis sur PS5, hello.
Le fait que le jeu ait pas été envoyé, ça m'a un peu inquiété parce que je me suis dit qu'en général, tu fais ça pour cacher un petit peu les faiblesses. J'ai pas encore l'explication. Bon, alors là, ça c'est. Il y a un truc méchant. Bon, ok, on peut pas y aller pour l'instant. Le village. Donc je pense qu'il faut libérer le truc. À chaque fois que je vais toucher, je vais me taper, c'est ça? Ouais, si vous faites des dons, je suis comme DB Times. Moi, je lis que les dons d'ailleurs. Ou que les gens qui ont au moins le logo du. De la garnison. Moi, bon, je fais un peu de tout au hasard. Je fais du SNK, du MHA. Là, je compte faire Kaiju, honnêtement. On parle toujours de Dragon Ball Super. Et puis, il y a plein de sujets. C'est ce que j'avais dit à l'époque à Senpai, c'est qu'il y a plein de sujets auxquels j'avais pas pu parler par manque de temps à l'époque des SNK et que je peux faire aujourd'hui. Donc, j'en profite. Allez, on va purifier la corruption. Bim! Voilà. Bon, alors après, on est au début du jeu, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. Le gameplay me fait un peu penser à celui de... Pour la façon de se déplacer, de taper et tout ça. À Phoenix Rising, c'est-à-dire que t'as un bouton pour le coup faible, un bouton pour le coup fort, et puis c'est tout. Ça, on peut rien faire pour l'instant. Je peux pas aller là non plus. Bah merde, alors je peux aller nulle part. Ah, y'a ça. Bim. Voilà, donc on a réparé ça. Ah, y'a un truc à réparer ici aussi. Peut-être, c'est possible, Lyra, qu'ils avaient peur de la... Qu'ils avaient peur des réactions des gens. Enfin, surtout des journalistes. Mais bon, le problème, c'est que c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'ils ont créé cet effet de peur aussi en n'envoyant pas de trucs presse, quoi. Dans le Parlement, je peux pas la corriger, la corruption. Elle est beaucoup trop ancrée. Hein. C'est joli. Kaiju, c'est génial, Big Joe. J'adore. Je vais forcément en parler sur ma chaîne. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. J'ai pas ressenti ça depuis SNK. Ce que je ressens actuellement pour Kaiju, je l'ai pas ressenti depuis SNK, honnêtement. Après, je te dis pas que c'est exactement comme SNK, soyons clairs. Mais par contre, la hype et le plaisir que j'ai à découvrir un truc, c'est le même, quoi. Générer du karma en vainquant les ennemis corrompus, en restaurant l'environnement et en retrouvant les fruits pour nourrir vos rots. Alors par contre, le nom est pas bon. Hein. Le ro, c'est vraiment pas terrible. On s'est marré avec ma femme comme ça parce que j'ai fait le tuto avec elle à côté et on a bien rigolé, quoi. Alors attends, ça c'est les sorts que je peux débloquer. En sprintant, appuyez sur R1 pour effectuer une attaque circulaire rapide. Karma supplémentaire requis, d'accord. Alors là, j'ai 50 de karma. Ok, bah, je peux acheter que ça. Bah, tu sais quoi, je vais le faire. Bah dans les... Oui, tu te doutes bien qu'il y en a. J'adore faire ça. Hop. Hop, trop stylé. De quoi qu'il n'y ait pas la même difficulté. Attends, du coup, je peux faire ça et je fais... Ok, d'accord, c'est pas terrible en fait. Allez, on ouvre. Hop. On ouvre ici aussi. Voilà. Du coup, j'ai... Nouveau chapeau raw disponible. Ok, on peut s'éclater avec les chapeaux. Alors, je viens d'ici. Peut-être en allant là-bas. Il y a des titans dans la taille des titans. Pas possible, je te crois pas. Aïe. Attends, il y a un truc à faire ici. Alors, du coup, c'est un peu la découverte. Hein. Dark Souls, c'est easy, ouais. C'est sur PS5 que je joue, là. Ah bah Kena, c'est pas difficulté d'un sous like, c'est clair. Mais en même temps, c'est pas ce que tu recherches. C'est toujours pareil. C'est un peu, de toute façon, c'est la même chose quand tu lis une histoire, quand tu regardes un manga ou autre, c'est que tu regardes pas les trucs pour la même raison à chaque fois. Et typiquement, je regarde pas SNK pour les mêmes raisons que je regarde MHA, par exemple. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. Quand je joue à un jeu du style les Sims, ou quand tu joues à Cyberpunk, GTA, ou quand tu joues à Kena, bah c'est pas... T'attends pas la même chose en fait. Voilà. On les voit au chapitre 140, t'es con. Mais attends, on pouvait pas l'envoyer là? Il manque un mec? Ah, y'en a un que j'ai pas tué. Ah, on peut taper en sautant. Ok. Alors pour ceux qui demanderaient éventuellement, il y a 4 niveaux de difficulté.
J'ai choisi le deuxième, c'est le normal. Donc il y a le easy, il y a le normal et il y a le hard. Et je pense que quand t'as fini le mode hard, tu peux avoir un quatrième niveau de difficulté. Mais je me dis que comme ça a été dit avant, c'est pas un Dark Souls, tu vois. Je pense que même en difficulté ultra hardcore, ça devrait passer un petit peu, quoi. Non, désolé de te décevoir. Je commence gentiment, surtout en live, tu vois. Dans mon coin, ça m'arrive de jouer un peu le challenge. Mais en live, j'évite un petit peu. Plus tard peut-être, mais au début, non. Attends, y'a un truc qui s'est téléporté ? Alors, je viens d'où ? Trouver Taro dans la forêt. Mais attends, je l'ai pas fait déjà ? Alors, la porte est fermée. On est obligé de se TP, vous croyez ? Là, il y a un chemin par ici. Alors, je vois le chemin. Donc, en fait, je pense qu'il faut que je remonte, que j'aille par là et que je fasse le chemin ici pour retrouver Taro, parce que j'imagine que, voilà, on peut pas partir là-bas. Ok. Donc, en fait, nous allons aller... Donc, je suis dans là. Je vais aller à droite. On va à droite et on y va. Et puis, t'as moi, quand j'ai fait God of War la première fois, j'ai fait en difficulté en God of War. C'est quoi la difficulté God of War ? Parce que je me rappelle pas des noms. Alors, vas-y, on continue le chemin. Ah, c'est peut-être par là. Attends. Ouais, réfléchissement. Je pense que là, il y avait un rond à faire, voilà. Et après, c'est de l'autre côté. Il coûte combien le jeu ? Il coûte 40 euros. Après, je me suis acheté une carte Eneba à 50... Une carte qui coûte en gros 40 euros et qui donne 50 euros sur le PS Store. Donc, je me suis fait un petit peu de rab. Ok, donc là, je vais la placer où je veux, c'est ça, j'imagine. Ah non, il y a un truc. Ok, on récupère encore des petits trucs. Ils sont trop choupis ! J'en veux un à la maison ! Ah, et 4, c'est mauvais signe, ouais. J'avais oublié ce détail. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée de passer par là. Allez, on tente. Voilà. J'avais compris. Donc je pense que pour l'instant, je ne peux pas aller là. Ah, mais on peut peut-être en sautant par là. Il est où le truc ? Je suis déjà perdu. Non, il est trop loin. C'est pas grave, on continue par là. Alors attends, je vois la map. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la map, là, je veux aller à droite. Ça va pas du tout, j'ai pas du tout dans la bonne direction. Dans les jeux, je mets jamais la difficulté max perso, je mets en mode par défaut. Ouais, moi souvent je fais ça, le mode par défaut de l'éditeur, parce que je me dis que s'il a décidé de faire cette difficulté-là, c'est pour une bonne raison, tu vois. Donc en général, je respecte la difficulté que donne l'éditeur. Il y a un truc à récupérer là, je pense. On peut pas le faire là ? Ah putain le con ! Non ! Alors, attends. Ce qui m'embête un peu, c'est que là, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille tout droit. Là, ils disent que c'est verrouillé. Après, est-ce que je peux le déverrouiller ? Ça se trouve, il y a juste le verrou parce que là, je me doute bien que j'ai pas la longe pour le faire. Donc, on va retourner après. Je vais aller voir là-bas si je peux déverrouiller le passage. T'as déjà joué au jeu journée ? De nom, juste. Enfin, je l'ai vu jouer. J'ai vu quelqu'un jouer, mais j'y ai jamais joué moi personnellement. Je t'avouerai que ça m'a pas spécialement tenté, honnêtement. Ah voilà, tiens, ils sont là, peut-être que en leur parlant, c'est bon. Ah, il manque un mot en anglais, en français encore. Au temple des masques. Vous le découvrirez lorsque vous verrez les arbres sacrés. Ok, c'était là-bas. Tu vois, là il manque une... Attends, il y a un truc là. Il manque une petite mini-map quand même, mine de rien. Enfin, vous allez dire que je suis tatillon, mais bon. Ok, c'est bon. Je l'ai joué, c'est assez court comme jeu. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, bah de toute façon, journée, ça a été une bonne expérience pour la plupart des gens que je connais qui ont testé. Hein. Alors, attends. Alors, ça marche pas. Ah si, ça marche, ok. Seem quite fond of you.
Tiens. Ils sont trop mignons, j'en veux un à la maison. J'en veux un à la maison. Mais si. Par contre, c'est vrai que c'est très déroutant pour ceux qui ont le jeu là. Je sais pas si toi ça fait pareil, Ira. Mais de commencer en mode. On te pose là et on te dit vas-y, avance. Il y avait rien. Il y avait pas d'explication sur l'histoire et tout. Tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. Mm-hmm. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children and would do anything for their brother. Mais attention, il y a un mec qui arrive. Ouais, non, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais c'est très déroutant. To honor those who have passed on. Placed here, the mask slowly turned to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know. Il est joli quand même le jeu. J'ai vu des gens qui critiquaient le fait qu'il n'était pas si beau que ça, tu vois. Franchement, j'ai rien à en dire là. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Attendez, juste deux secondes. Voilà, je baisse un tout petit peu le son quand même. Prenez soin de Benny, hein. Il leur sera difficile de comprendre. Ok, j'ai pas vu qu'il y avait un message. Masque de tarot. Appuyez sur gauche pour porter les masques des esprits. Regardez à travers le masque pour trouver vos chemins. Ouvrez les barrières des esprits et relevez des objets importants dans un environnement. Les masques des esprits sont utiles pour trouver les héros cachés à travers le monde. Oh la merde que ça va être, putain! Oh, ça va être relou, ça! Ok, donc là, salut, bonjour. Attends, on m'a dit par où? C'est par là. Ok, allez, go! Les jeux, ils crèvent toujours, c'est un fait. Ouais, c'est vrai. Même dans To Your Eternity, il n'y a pas que les vieux qui crèvent, Taker. Tu te rappelles? Il se passe un truc si je fais ça? Non? Hey, is that Taro's mask? Ouais. D'accord, bah je vais essayer. Utiliser le masque, allez, vas-y. Et c'est parti. Sauf Joseph. Joseph, il meurt jamais. Bon, j'imagine qu'il est mort dans la partie 5. Hein. Enfin, au moins, peut-être dans la partie 6, quoi. Allez, je me balade un petit peu, par contre. Hein. Je vais pas faire la ligne droite, les gens. J'ai envie de me promener. Je vais peut-être pas non plus faire tous les trucs en détail, mais je vais pas me gêner à aller me promener à droite à gauche pour voir s'il y a des petits secrets cachés à droite à gauche. Y'a un truc, là? On peut rien faire avec ça? Ok, bah tant pis. Ah, y'a quelque chose, là. Allez, bourrez-vous la gueule, les gens. Il est officiellement dit qu'il est en vie dans la partie 6. Ah merde! Il était déjà sénile dans la partie 4, le pauvre, alors dans la partie 6, ça doit être horrible. Hop là. On peut casser ça? Non, c'est pas destructible, j'imagine. Non, ok. Allez, vas-y. Alors, j'imagine que il faut que je le déplace. Attends, c'est carré, je crois, pour... C'est... Voilà, c'est comme ça. Hop là. Allez, déplacez les gens. Hop. Et on peut rentrer dans la baraque grâce à ça. Magique. J'avais un peu... Il y avait une des craintes que j'avais dans ce jeu, c'est que c'était un couloir. J'avais vraiment peur du jeu couloir, comme tu pouvais en avoir de façon très fréquente dans les jeux de plateforme sur PlayStation 1 et un peu PlayStation 2. Et finalement, j'ai le sentiment, oui, t'es guidé, tu peux pas te balader, tu peux pas te perdre, je pense. Mais c'est pas que des couloirs, t'as quand même des petits chemins annexes à suivre et tout, et je trouve que c'est plutôt sympa. Parfait, ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un truc qui est fermé. Alors j'imagine qu'il faudra un masque que j'ai pas actuellement pour l'ouvrir. Ouais, bon, c'est pas grave, on va continuer notre petit bonhomme de chemin.
Après, je rappelle que comme il a un pouvoir, il peut vivre plus longtemps, quoi. Ah, Lisa, elle avait l'air d'avoir 20 ans alors que c'était la mère de Joseph, quoi. Examinez, tiens, vas-y. La neige fond vite cette année, voyons si ce passage, le passage venant à la maison de Russu est ouvert, ok. Tu peux l'ouvrir? Là, je peux déjà l'ouvrir, attends. Tu viens de choper un item, faut être à côté de la boîte aux lettres. Ah, ok! Oh, d'accord! Ok. Tout à fait ça, Mitsurugi. Uncharted, tu es dans une sorte de couloir, mais t'as pas que ça à chaque fois. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, des vilains pas beaux. Ah, saleté, tu m'as tapé avant. Merde, il est trop loin. Hop là, voilà, ça c'est fait. On récupère. Oh, des petites larmes. Est-ce que je peux m'en servir? Ah non, je peux pas. Hop là. Ah, t'es mort, toi. Ah merde, il est pas mort. Toi, tu meurs après. Et voilà, c'est fait. Je pense quoi du jeu? Franchement, le gameplay est super agréable à jouer. C'est très sympa pour l'instant. Très nerveux, ça fait plaisir parce que c'était un peu une de mes inquiétudes et finalement ça va. J'attends de voir en fait les interactions que tu peux avoir avec les héros. Les héros, c'est les petites bestioles que tu vois autour de moi là. Mais pour l'instant, franchement, m'enjouasse bien. J'aime beaucoup. En fait, j'avais. Attends, non, c'est ça, voilà. C'est aussi que j'avais un truc à faire, ça m'étonnait qu'il y avait rien là. Voilà, je viens de soigner une maison. Ah, et là, il y a un esprit. Oh, la bestiole est trop mignonne! Mais j'en veux une, Elo. J'en veux une. Hein. Moi, ma fille, quand elle me dira je veux un chien, je dirais non! Je veux qu'on attende que la technologie permette de créer ces bestioles-là. Je veux pas être bloqué avec un chien, quoi. Du coup, il n'y a plus la corruption et je peux me balader un peu. Eh! On en libère une, regardez. Hop, une nouvelle petite créature. Plouc, voilà. Ok, 10 sur 15 pour l'instant. Allez. Du coup, là, il doit y avoir une façon de retirer la corruption de cette maison-là. Ils ont parlé de fonte des neiges. Donc je pense que c'est un truc que je dois aller chercher à un endroit où avant il y avait de la neige par exemple. Bon là on peut pas passer, c'est évident. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le coin qui permettrait de passer? Je pense que pour l'instant je peux peut-être pas l'ouvrir cette maison-là. Et il y aura peut-être une clé à aller chercher dans un monde enneigé ou dans un monde où il y avait de la neige avant, tu vois. Ouais, les chiens bouffent les mangas, c'est vrai. Une des bestioles, c'est Polnareff. Alors tu vois, à chaque fois que je passe, il y a un chemin différent. Une tente. T'inquiète. T'inquiète, je suis là. Je vais la défoncer, cette substance dégueulasse. Allez, vas-y, c'est parti. Hein? Il a un bouclier. Les héros peuvent purifier les fleurs spéciales pour restaurer la santé de Kenna. Lancez vos dessus en appuyant sur carré. Hors combat, la santé de Kenna se régénère automatiquement. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas besoin là. Mais je le ferai après. En tout cas, je suis hyper nerveux. Tu tires un côté, je rappuie sur R pour attaquer. Rad. Alors, je te montre. Genre, je tape ici. Si pendant que je tape, je décide de changer la direction de ma croix directionnelle, ça le fait bien tout de suite, quoi. Ouais, le gameplay fait beaucoup penser à Immortal Phoenix Rising. Mais en plus nerveux encore. Bim! On casse ton bouclier et on tape, 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 voilà. Bim! Hop! Voilà. Allez, venez les créatures. Ah, je suis trop loin. Raté. Oh, ils esquivent aussi les saloperies. Allez, vas-y. On charge. Bim!
Toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Allez, vas-y. Ah, c'est peut-être ça les plantes spéciales dont il parlait. Ah, c'est pas vrai ça, on peut pas se balader tranquille. Merci. La ref à Malcolm, la meilleure série du monde, franchement. Voilà, on régénère tout. Le jeu est ultra mignon quand même. Franchement, tu dis que c'est fait par une boîte de développement, ils sont quoi? Ils sont une vingtaine, 20, 30, je crois qu'ils sont 30 max, quoi. Marco le roi des rêves, je pense pas. J'ai vu Stavoun et Shechunai, ils sont pas mal aussi dans le genre. Les larmes de la forêt restent temporairement l'héros à leur forme d'origine. Ok, il y a une forme d'origine pour l'héros, ça je savais pas quoi. Utiliser R pour déplacer le nuage. Dans cette forme, les héros peuvent attaquer les ennemis, détruire les barrières et dégager la corruption. D'accord. Ah, excellent. Alors attends, je peux virevolter. Ok, donc on peut taper avec ça. Mais oui, il est trop mignon, je suis d'accord. Allez, on continue. Bim. Et voilà, passage ouvert grâce au héros. Magique. C'est le premier jeu de la boîte en plus. C'est impressionnant. Hein. Alors je sais pas si les gens de la boîte avaient une expérience avant, parce que c'est peu... Si les mecs ont 20 ans d'expérience devant eux, c'est pas pareil que si c'est leur premier jeu, mais c'est impressionnant. Hein. Là où on va, il n'y a pas besoin de route. Il doit y avoir quelque chose à proximité, jetons un œil dans les parages. Je compte bien le faire. Alors... En plus, vous avez pas vu, mais dans le tuto, il y a plein de moments où quand tu fais ça, là, ce sort-là, il y a un écho, et tu vois les trucs comme ça, qui virevoltent un peu à droite à gauche, c'est super mignon, moi, je trouve ça magnifique. Allez, on bouffe, merci. Allez, on se transforme en flotte, les gars. Ah non, d'accord, c'est le truc où je peux le poser, Alors, je pense qu'il faut le poser là, hein, soyons d'accord. Allez, allez au boulot. Toc, toc, pop, 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 pop. Et là, on a à nouveau le fameux power. Voilà. Voilà, on continue en cassant ça. Voilà. Oh, ça n'a pas cassé tout, fait chier. Revenez les gars, on recommence. Ah, il y a du boulot encore. Je sais pas, j'imagine qu'il y a un bonus si je fais tout. Voilà. Et je crois que j'ai tout fait, là. Youhou ! Trop mignon ! Allez, vas-y, on continue à avancer. Hop ! Il y a vraiment un autre McFly que... McFly ? Il y a un Marty McFly, évidemment. Le meilleur des McFly, gars. N'en déplaise à l'ami de Carlito. Ça y est, Uncharted spotted, les gars. Putain. Hop, de temps en temps, je fais ça pour voir s'il n'y a pas un truc à faire. Alors, attends, tu sais quoi? Je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis tout à l'heure. Au cas où, il y aurait quelque chose à débloquer que j'aurais pas vu. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc là, je viens de débloquer un TP. Ok, nickel. Et là, c'est parti pour le fight. La zone n'a pas l'air super sympa. Oh. Regarde. Allez, venez. Venez vous battre. Ha ha. Balèze quand même. Trop bien ça. Là. Voilà, hop, ça c'est fait. Hop, raté mon gars. Pout, pout, pout. Yaaaaah. Voilà, hop là, tu m'auras pas toi. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, venez vous battre. Yeah.
Allez, vas-y. On se concentre. Lui, il a l'air un peu plus balèze que les autres. Ah non, c'est juste parce qu'il a la flotte, ok. C'est là pour la peine. Allez, vas-y, c'est toi qui vas te battre. Allez, bats-toi! Aïe! Ok, ça a pété le truc en plus. Allez, vas-y, on se concentre. Hop là, voilà. On se casse. Oh putain, ils font deux coups, ok. Je le saurai pour la prochaine fois. Alors attends, je vais m'éloigner un petit peu. On va essayer de voir, normalement, il y a un truc pour récupérer de la vie ici. Tu m'as pas, toi? Ah merde, ça l'a déjà débloqué, fais chier. Bon, c'est pas grave. Là. Hop là, je vois pas où est l'autre. Il est là, ok. Oh putain, j'ai failli faire une connerie. Mauvais bouton. Attends, je balade juste un peu, je vais voir un truc. Ok, je vais quand même essayer de pas crever, ce serait une bonne chose. Ok, donc dès que j'ai commencé à taper, il s'est éloigné. J'ai plus des masses de vie, donc faudrait peut-être que je fasse pas trop le con. Oh putain! Je l'ai vu venir. Il veut pas venir, mes copains? Allez, viens! Oh putain, il m'a tapé. Bon, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Allez, je vais jouer sérieusement, je vais arrêter de faire le con avec les... Avec les rotes, quoi. Je préfère jouer tout seul. Je préfère jouer sans m'en servir. Toi, t'as à peine apparu, tu clams. Ouais, je l'ai acheté finalement. Et je regrette pas. Mais de toute façon, j'attendais les avis. Je trouve, j'ai toujours eu du mal avec l'achat des One. Après, ça dépend. Si t'as confiance dans le jeu et tout, ça va. Ah, bâtard, il m'a tapé de distance. C'est quoi ce bordel? Où vous êtes, les gars? Voilà. Viens. Voilà. Allez, on se démerde. Ok, donc. Voilà, déjà, on casse un petit peu de la corruption. Ouais, si, j'ai juste peur que le jeu soit pas long, mais après, est-ce que c'est un problème? Enfin, je veux dire, si le jeu t'enchante pendant 8 heures, est-ce que c'est vraiment grave que ce soit que 8 heures? Surtout que ça va, c'est 40 euros, c'est con, mais c'est pas 70, tu vois. Je veux dire, là, tu veux acheter... va acheter FIFA 22, FIFA 22, vas-y, c'est YOLO. 69 euros le jeu. Non, 79, qu'est-ce que je raconte? Trop court. Raté. Tiens, va débloquer la bulle. Oh non, non, tu m'auras pas, toi. Allez, venez. Aïe. Ah, il fait pas deux coups? Je pensais qu'il faisait deux coups à chaque fois. Hop là, on se cassos. Ah, toi, t'es mort. Et maintenant, on est entre nous, hein. On est entre couilles. Ah putain, les deux coups, à chaque fois, je me fais avoir. Putain, c'est trop court. Alors attends, normalement, j'ai laissé ça pour pouvoir le prendre maintenant. Voilà. Hop là, régène de vie. Et hop, on continue le combat. Allez, vas-y. Viens. Ah, trop court. Allez, viens. Et il s'éloigne, c'est pas con, lui. Putain. La caméra est un peu chelou, par contre. Et hop là, je tue au prochain coup. Voilà, nickel. Voilà. Il en reste un. Et voilà, je crois que j'ai fini. Bim. Et voilà, c'est redevenu joli. Alors, il y a quoi à récupérer ici? Utiliser l'héros. Tiens, bah y'a à toi. Salut. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. As-tu vu ce qu'elle a fait à ce monstre? Je t'ai dit qu'elle pourrait nous aider. Ouais, je suis un PGM, c'est tout. Il est très beau, hein, Spirit. Franchement, Spirit, il est très beau. Allez. Pourquoi je peux pas faire ça? Voilà. Hop là, les gars. Alors, attends. Peut-être qu'il y a un truc à faire là-bas. Allez, on avance, on avance, on avance.
ou pas. J'ai l'impression qu'il y avait rien à faire en fait. Ça redevient sombre, c'est pas bon signe ça. Est-ce que je mets... Attends, je vais mettre le masque au cas où il y aura un truc peut-être. Non. Plus beau que Cyberpunk, c'est vrai. C'est plus beau que Cyberpunk. Oh non. Ah. Les esprits, là c'est l'esprit du mec que je dois sauver, je parie. J'arrive. Attends que j'aille pas plus vite que lui quand même. Ok, il est là-bas. Les effets de lumière sont vachement beaux quand même. Franchement, ça va, tu vois. Plus beau que la part de Togashi. Ah, utiliser le masque, vas-y. On va voir ce que ça fait. Il manque un bout à l'oreille du chat quand même. Donc la zone elle est un peu crappie là. Stand up over. Je pense que Taro il est mort, je suis désolé de vous l'apprendre les gamins. Mais je pense que Taro il mange les pissenlits par la racine là. Qui va pas bien. D'accord. T'inquiète. Waouh, faut monter là-haut pour un mec qui va peut-être t'aider quoi. Peut-être, j'aime bien le peut-être, tu sais, c'est oh là là. C'est comme si tu dis oh je veux acheter tel jeu, oh il est peut-être dans une boutique à 800 bornes d'ici, mais peut-être, hein, c'est pas sûr du tout. Ok, donc on va continuer par là. Par contre, je peux pas... Non, je peux pas du tout sauver cette zone qui est complètement crappie pour l'instant. On va la laisser comme ça, hein, de toute façon. Allez, c'est y part. Ah, y a plein de chemins annexes, franchement, regarde. Ok, j'ai rêvé. C'était pas un chemin annexe, ça. Ah, moi j'aime bien aussi Mitsu, ça change un peu d'habitude. Attention, est-ce que je peux le faire? Nickel. Puis ce jeu a une ambiance vraiment très zen, très cool, tu vois, ça donne envie. Allez, vas-y, on va continuer par là. J'ai à moins qu'on sorte des griffes de bois. C'est con. La montagne de Ruzu. Ah ah! Ah non, c'était l'objectif. Quoique non, normalement il est pas aussi bas, puisque faut que je monte tout là-haut. Attends, il y a des trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, d'accord, c'était eux de dos, mort de rire. Ok, bah t'inquiète, on va y aller. Alors là, je pense qu'il y a des trucs à aller récupérer, on va aller voir. Les gens disent que ça ressemble à Breath of the Wild, c'est vrai. Je trouve pas du tout, Ahmed. Honnêtement, je trouve pas du tout. C'est pas du tout le même genre de jeu. Alors je pense que là, si je vais par là, je vais pas dans la bonne direction. Quoique, là on dirait que ici le chemin est pété. Peut-être qu'il te force à aller à gauche. Je vais continuer, vous savez quoi? On va le faire au feeling, c'est pas très grave. Quand même. Au pire, j'aurais perdu du temps. C'est pas très important. Allez, vas-y, on va là-bas. Oss! Salut, Shinsekai. Allez, c'est parti. Hop, hop. Hop, hop. Okay. Allez, les héros. Ah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mince, c'est trop mignon. Alors, regardez ce qu'on peut faire aussi. Bon, je pense qu'on peut pas approcher la caméra et ça, c'est un peu dommage, mais regardez. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Ça, c'est quel bouton? Voilà, regarde, je peux me baisser. Je peux les mettre tous en cercle comme ça et on peut faire des petits trucs mignons. Regarde. Petit bisou. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon ce jeu! C'est trop mignon! Ma fille, elle l'a pas encore vu, je peux te dire que quand elle va le voir, elle va tomber devant ces trucs-là. Oh là là, elle va kiffer. Ah bah si tu le veux, Ahmed, abonne-toi. Pas d'autre solution. Ouais, surtout que ça n'a rien à voir avec Breath of the Wild, honnêtement. Et je dis pas ça pour dénigrer Breath of the Wild, c'est juste que c'est pas du tout le même genre de jeu. Breath of the Wild, ça va vraiment se jouer sur l'environnement, tu vas te balader, tu vas être, entre guillemets, perdu dans l'univers, à te promener à droite à gauche, trouver des sanctuaires au hasard et tout, avancer dans le jeu. Là, t'es très guidé, tu vois. Mais c'est pas du tout le même plaisir que j'ai. Et c'est ça qui est bien aussi dans les jeux vidéo, c'est que... Bon après, si tu veux un truc qui ressemble énormément à Breath of the Wild, tu vas taper sur Immortal Phoenix Rising, qui a une ambiance différente, mais qui est dans le même style malgré tout. Je vais quand même... Ah, tu sais quoi, je vais passer par le chemin là. Après, on va suivre le chemin qui est... C'est celui-là? Ouais, c'est par là. Allez, c'est parti. Ouais, je veux des peluches comme ça. Ouais, mais je pense que... Alors après... Oh, attends, il y a des bestioles qui sont tombées, là, je rêve. J'ai cru. C'est... J'espère que ça pourrait secouer un petit peu... Après, ça pourrait secouer l'industrie du jeu vidéo un petit peu. Tu vois que des licences comme ça arrivent à faire bouger les codes et proposent des trucs qui marchent mieux que les AAA. Mais après, c'est le cas de beaucoup de jeux, en fait, quand ils réfléchissent. Rad Among Us. Among Us, bon, maintenant, on n'en parle plus trop, mais ça a fait un tollé à l'époque, quoi. Après, Among Us, c'est 5 euros, même pas. Et c'est vrai que ce jeu-là, tu te dis, il est ambitieux comme un triple A. Et c'est 30 pélos qui l'ont fait. Et je dis pas ça de façon péjorative. Hein. Hop là. Et toi, je t'ai vu à droite. Vraiment, le gameplay est super nerveux, par contre. J'ai jamais vu de ma vie, j'ai rarement vu un jeu aussi nerveux. Tu sais, genre t'appuies sur une touche, ça passe instantanément. Genre tu lances un coup, et si pendant que je lance le coup, je décide de changer la direction de ma manette, et ben le truc va vraiment bouger également. Je sais pas si Ira, soit t'as remarqué ça aussi, mais je trouve ça assez incroyable. Putain, je fais vraiment des conneries là. On s'éloigne. Y'a pas un truc... Ah voilà, là-bas. Régène de vie. Merci. Ah, on est reparti. T'es mort, toi. Voilà. Ah, putain, il me laisse même pas retourner la caméra. Putain, il est violent, lui, quand même. Ok, il s'éloigne. Donc, j'ai pas assez de trucs... Ah, putain, merde, j'étais coincé. J'ai pas assez de trucs pour qu'il se... Fou, il m'a fait peur, lui. Ça y est, j'ai assez. Je peux régène. Je peux régène la vie. Je peux régénérer la vie. Voilà. Ça y est. Allez, on se bat et on fait ça sérieusement maintenant. Je fais plus de conneries. Voilà, hop. C'est comme le prochain jeu, Black Meat. Hop, 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 hop. Je peux pas... Attends, je vais lire le chat après. Ok, raté. Ben voilà. Toi, je te garde à ma ligne de vue. Là, j'y tape. Ah, j'ai déjà un truc pour... Attends, utiliser les routes, je peux le faire à nouveau? Ah oui, d'accord, j'ai vu. Bien, putain. Voilà. T'es mort. Toi, tu crèves aussi. Et toi, tu crèves aussi. Merci. Voilà. Hop là. Repasser sur PC, c'est bien. C'est mieux le PC quand même que le téléphone. Hein. Je sais pas comment les gens font, j'ai vu que quasiment la moitié des vues que je fais sur YouTube, c'est des vues sur téléphone. Moi, j'y arriverais pas, hein. Je deviendrais fou. Je déteste utiliser mon téléphone pour des vidéos YouTube. Hop là. Je préfère Horizon et Genshin et peut-être Kena à Breath of the Wild.
Genshin, non, quand même pas pour moi. Après, c'est une question de point de vue perso, tu vois. Ouais, les tablettes à la limite, ouais. Après, il y a aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas de télé. Tu sais, c'est un peu comme les consoles de jeux. Les gamins n'ont pas forcément une PlayStation 5 à la maison. Par contre, ils ont une 3DS, tu vois. Parce que ça coûte moins cher et parce que ça monopolise pas la télé. Et aujourd'hui, ça sera la Switch. T'as plus tendance à acheter une Switch à un gamin qu'à lui acheter une PS5 parce que tu vas rarement foutre une télé dans la chambre d'un gamin de 6 ou 7 ans, je pense en tout cas. Voilà. Alors qu'avec la Switch, il peut jouer dans sa chambre, sur son lit, etc. quoi. Ah, il faudrait, ouais. Je vais recommencer à en faire très souvent, là. Là, c'est prévu. Là, je vais rouvrir le rythme avec des petites vidéos gentillettes. En fait, le truc, c'est que j'ai envie d'être plus vu sur Twitch, enfin, sur YouTube avec ma chaîne gaming. Mais pour ça, il faut être monétisé. C'est même pas une question de gagner de l'argent. C'est juste que YouTube te met plus en avant quand tu leur apportes de l'argent. Et du coup, je vais faire plein de petites vidéos sur des rétrospections d'il y a 20 ans sur le jeu vidéo. Ah, le son est super bas là. Et comme on est en train de grimper sur la montagne, je me doute que ça va permettre d'ouvrir la porte qui est fermée plus loin là. Attends, je regarde un peu ce qu'il y a là. Ouais, je pense que c'est vraiment pour ouvrir ça qu'il y a là. Hop, allez, viens là toi. Allez, hop. Bim. Et on passe. Et encore. Bim. C'est bon, et encore. Bim. C'est fini? C'est fini. Voilà. Il te manque quoi pour être monétisé? Il me manque 3000 heures de visionnage. Ah, il aurait fallu que je continue. En fait, si tu veux, il y a trois objectifs pour le visionnage, pour que ta chaîne soit monétisable. Les deux, en fait, les plus durs, c'est les 1000 abonnés. Je parle pour les nouveaux, évidemment. Moi, c'est moins compliqué maintenant. Si je crée une chaîne, j'en parle et je devrais atteindre les 1000 abos rapidement. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. C'est même pas le nombre de vues, c'est 4000 heures de visionnage. C'est pas pareil, 4000 heures de visionnage et les vues. Donc si tu veux m'aider, Dragor, tu regardes, quand tu fais ta vie, quand tu fais autre chose, bah tu lances ma chaîne et tu mets les vidéos en random sur ma chaîne, et puis comme ça me fera 4000 heures. Pour te donner une idée, comme j'ai passé 6 mois sans... Dans l'année, je précise, c'est dans l'année qu'il faut 4000 heures. Pour te donner une idée, je suis à 700 ou 800 heures sur ma chaîne gaming, là. Mais comme j'ai dit, j'ai passé 6 mois sans rien faire. Ah, mais c'est pas vrai, ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc on peut pas passer par là. Ah, attends. Ok, donc faut que je fasse le tour par la droite. Tout bêtement. Voilà. Comme ça. Ah, papa, je l'ai vu. Je m'ai sauté. Je voulais sauter. Faudrait que je mette un live, comme ça tu laisses le live pendant 4 heures tourner, et puis voilà. Voilà, nickel. On va se balader un peu ici. Ok, donc on peut pas se balader ici. Je comprends le message, j'essaye quand même. Non, ok, c'est vraiment, il veut pas. D'accord, donc ça c'est vraiment pas le bon chemin. Mais oui, j'ai 4000 heures à faire sur la chaîne gaming, et là je pourrais faire des grosses vidéos. Oh, salut. Bienvenue. Ah bah tiens, Solia, salut Solia. Bon retour parmi nous. Enfin, bon retour. C'est plutôt toi qui viens, alors que c'était moi. Alors, si vous connaissez pas Solia, elle fait des vidéos, et comme je l'ai découverte ce soir, je sais pas trop sur quoi elle fait des vidéos, mais sur plein de trucs, visiblement, donc si vous avez envie d'aller voir sa chaîne, elle est toute gentille, toute choupie, toute mimi, avec son conjoint, j'imagine qu'elle était tout à l'heure sur sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller passer faire un tour dessus. Hop là, nouveau téléporteur débloqué, les copains. Ouais, mais la chaîne gaming, je l'ai abandonnée parce que j'ai vraiment focalisé la chaîne manga, surtout que pendant 6 mois, t'as eu quand même beaucoup d'actualités SNK, beaucoup d'actualités manga et tout, et du coup, j'ai pris une décision, j'ai fait, bon, on laisse un peu de côté la chaîne gaming, mais c'est pas pour autant que j'avais pas envie de m'y consacrer, c'est juste que, bah, à un moment donné, faut avoir des priorités, quoi. Bien Kena, ouais. Ouais, c'est bizarre, Aurélien. T'as des drôles d'idées. Alors, est-ce que ce que je fais, c'est une bonne idée? Grande question, tu vois. Grande question.
Bah la vidéo GameCube, en fait, je vais la faire, mais pour l'instant, je suis sur d'autres vidéos. Plus courtes, un format plus court, un format plus simple. Et quand je l'aurai fait et que j'aurai un peu relancé la chaîne gaming, je le ferai, quoi. Bonne nuit, Solia, à la prochaine. Bisous à toi. Alors... Allez, vas-y, on fait un peu Uncharted mode. Je pense que c'est le plus concurrentiel de YouTube. Mais moi, c'est pas un problème, parce que j'ai décidé de faire un truc qui me plaît. Donc déjà, je m'en fous des vues. Et en plus de ça, ben, c'est quelque chose qui est pas fréquent. Je veux dire, là, des vidéos sur l'histoire du jeu vidéo, t'as pas 800 YouTubeurs qui en parlent, honnêtement. Oh là, les gars, je vois Drake, là. Nathan Drake. Allez, Drake. Hop, on saute. Hop, on monte. Hop, hop. Et il me regarde, mes bestioles, là. Hop, et voilà. Attends, je viens de là ou pas? Je rêve ou j'ai quasiment pas avancé? Ah si, j'ai avancé quand même. Et là, j'avoue, ça fait très vibes Uncharted. Honnêtement, là, on est dans du Uncharted. Hop là. Alors, on va continuer le chemin. Hop là. Alors, est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche? Bonne question. Je pense que c'est par là, ouais. Hop. 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 Voilà. Me dis pas que je suis venu juste pour un petit bonus. Ah non, c'est bon. Attends, non, si. Attends, il n'y a pas une interaction. Si, c'est triangle pour interagir. Hop. Bon, bah, il n'y a rien à chercher ici. Ah, attends. Non. Dommage. Du coup, j'ai fait ça pour pas grand chose. Saisir leur bord. Ok. Hop. Bon, j'imagine que en fait, ça c'était un tout petit chemin pour le fun. Donc, on va aller à gauche, les copains. Youp. Youp. Ouais, mais oui, clairement. Parce que Uncharted, c'était ça. Hein. Faut dire ce qui est, Dragor. Ah, j'ai cru que j'allais rater. Et les bestioles qui me regardent bosser, tu vois, pendant qu'elles sont là. La 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 la. On descend. Ah, Uncharted, c'est une de mes licences préférées. J'ai adoré Uncharted, quoi. Vraiment, c'est... J'ai kiffé à mort. Y a rien d'autre à dire. Je connaissais pas du tout la licence. J'ai découvert le 2 parce que je l'ai acheté d'occasion. Et c'est là que le marché d'occasion est important, parce que grâce à ça, j'ai acheté Uncharted 3, parce que j'aurais jamais touché à la licence en payant 70€. Je connaissais pas, j'étais pas sûr que ça me plaise, donc je leur ai rapporté de l'argent. J'ai acheté Uncharted 3, j'ai acheté Uncharted 4, j'ai acheté le Uncharted de la trilogie. Donc finalement, ils ont gagné 150€ grâce au marché de l'occasion. Comme quoi, l'occasion, malgré tout ce que les gens peuvent dire, et surtout le Cage, là, le mec de Quantic Dream, qui visiblement ne connaît rien aux jeux vidéo, hein, c'est pas étonnant quand tu fais pas des jeux vidéo, mais des films interactifs. Et donc, il dit que le marché de l'occasion, ça pourrit ces trucs, alors qu'en fait, non, pas du tout, ça permet... Oh putain! Ok. Donc il fallait que j'aille plus vite. Ça m'apprendra à papoter avec vous. Voilà. Tout est votre faute. Attends, me dis pas que je recommence là? Non, ça va. Je recommence ici. T'inquiète, ils vont m'aider, les copains. Allez, go, go, go! Allez, bosser! Hop, putain, je vais trop vite, là. Hop, hop. Et voilà. Et les héros, ils sont venus jusque là. Ah, est-ce que tu... Voilà, il a choqué. Non mais voilà, je veux dire, les gens, ils partent du principe que le marché de l'occasion, en fait, les gens sont débiles. Et quand je dis ça, je parle aussi des développeurs. Des fois, ils se rendent pas compte, en fait, de ce que ça peut apporter, le marché d'occasion. Parce que ça permet de... C'est une mine. Une mine qui permet aux gens de découvrir des jeux qu'ils auraient pas osé acheter plein pot. Et qui finalement peut-être vont leur faire adorer la licence et acheter les jeux, etc. Moi c'est exactement ce qui m'est arrivé, clairement. Uncharted, j'aurais peut-être jamais mis les pieds dans la licence si j'avais pas acheté le 2 d'occasion. T'as le son est vachement étouffé, mais j'imagine que c'est fait exprès, mais bon. Bon, lui j'imagine qu'il a le même métier qu'elle.
J'ai préféré le 2 au 3 perso. Après, le 4 était masterclass. Hein. Ouais, Mitsu, merci. Regarde, à l'occasion, j'ai acheté... Ah, avec l'occasion, j'ai acheté FF10. Ouais, bah c'est super ça. Surtout que FF10, quoi. Trop mignon, Rad. Tu vois, je fais ça et Rad les trucs clochettes au-dessus. J'adore. C'est con, hein, mais c'est un détail, mais bon, c'est trop bien. Ah, est-ce que je peux rentrer là? Ouais, mais j'avance à deux à reculons si je fais ça à deux à l'heure. On va essayer de se promener un petit peu, voir ce qu'on peut aller chercher. Je pense pas qu'il faille aller par là, à mon avis. Il faut peut-être que je continue sur le chemin traditionnel. Ok, donc là, on peut rien faire. Attends. Non, rien à faire ici non plus. Je l'ai acheté puisque... je l'ai acheté. Parce que j'avais mis une cagnotte et vous l'avez atteinte. Donc, je l'ai fait, quoi. Non, en fait, il fallait bien passer par là, d'accord. Ah, peut-être là. Peut-être là, il y a un truc. Voilà. Salut, truc. Ah, mais il a fui. C'est quoi, ce lâche? Raté. Mais le marché de l'occasion, c'est pour ça que j'ai acheté une PlayStation 5 digitale, pas digitale, mais avec le truc physique, c'est parce que ça me paraît tellement important d'avoir la possibilité de pouvoir acheter des jeux en physique. Déjà, c'est con, hein, mais acheter les jeux en physique, il y a tellement de moments où il y a des économies à faire en achetant les jeux chez Auchan et tout. Je veux pas être bloqué et devoir acheter tous mes jeux sur le PS Store, sur le Nintendo eShop, sur je sais pas ce que c'est, Xbox, ou sur Steam avec PC, même si PC maintenant c'est quasiment obligatoire. Mais l'avantage de PC, c'est que comme il n'y a pas la monopole, il n'y a pas un monopole, tu sais, il y a Epic Games, tu as toutes les plateformes des développeurs et tout ça, alors que sur les consoles, t'es obligé de te fier, t'es obligé d'acheter sur le PlayStation Store, t'es obligé d'acheter sur ceux-là, et du coup, ils pratiquent les tarifs qu'ils veulent. Nintendo eShop, c'est une putain d'arnaque, soyons clairs. Soyons clairs, Nintendo eShop, ils font un tube de vaseline à chaque achat de jeu sur l'eShop. Hein. Voilà. Toi, tu meurs, et toi aussi, voilà. Non, ça fait pas AA, mais c'en est pas un. Hop là. Ah, il y a des méchants qui ont été créés en faisant ça, ok. Aïe, saloperie. Juste la caméra que je trouve pas assez nerveuse. Tant que tu détruis pas... Ah ok, d'accord, c'est pour ça. Moi, je croyais qu'au bout d'un moment, ça s'arrêtait. D'accord, alors c'est pour ça que je me battais comme un con pendant 3 heures, merci. Ça explique tout. Mais par contre, il y a des trucs que tu peux pas détruire, tant qu'il n'y a pas eu un nombre de morts, Rana. Ah non, c'est vrai qu'il faut que j'attende que j'ai les héros qui soient prêts. Là, les héros sont pas encore prêts. Voilà, là, ils sont prêts, du coup, je peux faire ça. Voilà. Et d'accord, le mob disparaît carrément. Ok, bah tu vois, j'avais un doute là-dessus, Ira, mais merci, tu confirmes ce que je pensais, merci beaucoup. Allez, arrivederci. Mais oui, et d'ailleurs, je comprends pas que les associations de consommateurs, ils gueulent pas là-dessus, parce que mine de rien, c'est du monopole. Le truc, c'est que Sony, avec le PS Store, ils ont monopole. Nintendo, en plus, ils font pire que ça, parce que... Attends, y a pas un truc à récupérer, là? Ah d'accord, si. La pierre, peut-être qu'il faut la mettre. Je sais pas du tout, on va voir. Qu'est-ce qui se passe si je la fous là? Mais il y a une situation de monopole qui est dégueulasse. Et Nintendo fait pire encore parce que... Ok, c'était pas ça du coup que j'avais à faire. Nintendo fait pire encore parce que Nintendo, ils ont carrément interdit aujourd'hui de pouvoir vendre les clés en dehors de eShop. C'est-à-dire que tu peux plus choper une clé d'un jeu comme ça. Sauf des vieux jeux. Ouais, mais attends, ça sert à quoi d'emmener là? Y'a pas un truc à aller chercher quelque part? Peut-être là? Non, c'est de là d'où elle vient. Ah, je l'ai pas vu jusqu'au bout, leur live, mais tant mieux, hein. Tant mieux, s'ils sont d'accord avec moi, ça fait plaisir. Ah, fallait peut-être que je relâche l'objet, en fait. Oh, peut-être.
On va voir, je teste. Mais même Auchan, en général, quand t'achètes les jeux Day One chez Auchan, ils sont au moins 10€ moins chers. Voilà, bon bah j'avais raison. C'était bien ça qu'il y avait à faire. Attends. Ah non, attends. Ok, attends. On repose. Donc là, j'ai rempli... J'ai deux des stèles qui sont faits. Il me manque une troisième, ok. On va la chercher. J'imagine qu'elle est... elle est pas là. Il avait dit en plus qu'il y avait trois trucs à valider si je voulais permettre de sauver le village, je crois. Donc j'en ai fait deux. Je pense que celle-là, c'est la dernière et j'ai dû en sauter une comme un demeuré. Ouais. C'est sûr. Et ce qui est rigolo, en plus, Ira, souvent, c'est que pour les fois où je rate des lives des autres gens, c'est que tu les vois pas galérer aux mêmes endroits. C'est-à-dire que des fois, il y a un truc que toi, t'as fait de façon complètement naturelle, et tu vois le mec et tu fais « Mais putain, mais il a pas compris ce truc-là, c'était évident pourtant !» Et toi, à côté, tu vas le voir, il va faire un truc et tu vas faire « Oh merde, j'ai passé une demi-heure dessus !» C'est tellement ça, des fois. Là, tu vois, j'ai dû rater un truc. J'ai dû... Un truc qui était sur le chemin que j'ai dû louper, pour débloquer que deux parties sur les trois, parce que je pense que ça, c'était la dernière. Non mais t'as vu Mado, c'était trop rigolo, le Amazon Prime qui va, enfin oui, Twitch Prime qui va faire une vidéo avec Carole Quinten pour expliquer que c'est pas bien le sexisme dans les jeux vidéo. Carole Quinten qui s'est fait connaître parce qu'elle a fait l'île de la tentation en maillot de bain et qu'elle roulait des pelles à des mecs quoi. Donc ça me fait un peu marrer, tu vois, cette hypocrisie de dire non mais les femmes c'est pas des objets parce que tu t'es fait connaître clairement parce que t'as joué la femme objet à la base et tu te sers d'elle, ça va pas du tout quoi, ça va pas du tout. Si, si, ouais, il y a deux personnes, il y a Carole Quinten et une autre que je connais pas du tout. Mais attends, du coup, je comprends pas un truc. Alors là... Attends, bougez les gars, bougez les petits gars. Si je vous fais aller là... Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a deux trucs qui sont activés. Là, j'ai activé les trois. J'ai activé les trois, donc normalement, il devrait se passer un truc, tu vois. Non, il n'y en a qu'un qui s'allume, là. Quand je fais ça... Bon, on va revenir en arrière, parce que j'ai dû louper un truc. Je vais refaire un petit peu de passage, là. Non, tout est là. D'accord, donc c'est juste moi qui n'ai pas compris un truc, ok. Et ça se trouve, en fait, ça sert à rien, ce truc-là. Attends, je vais essayer un truc, voir. Si je prends ça et que je le déplace... Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien au machin. Ça change rien au machin. Donc... Ah ou oh, attends. Attends. Non. Attends. Je vais relâcher l'objet là et que je fais ça ici parce qu'il y a le cristal qui est là peut-être. Ah attends, j'ai trouvé, il faut qu'il fasse écho avec celui-là. Ok, ok, je crois te comprendre. Ils vont mettre un gars du Gugux là, t'es con. Là normalement si je fais ça et relâcher l'objet, là normalement. Ah bah non, ça enlève le truc. Non, je suis obligé d'être à... Attends. Voilà. Ok. D'accord. C'était comme ça que ça marchait. C'était pas du tout un truc à appuyer. Je suis tellement... tellement habitué sur les jeux comme ça, où tu te sers des rochers et tout pour appuyer sur des trucs, que dès que ça marche avec l'écho du cristal, là, j'étais pas encore dedans. Il fait pas super beau, là. Non, ils font pas. C'est pas un jeu qui est sexiste en fait. C'est par rapport au fait que visiblement les streameuses
sont marginalisées, sont insultées de sexisme et tout ça. Elles sont stéréotypées parce que ce sont des femmes. Comme il y a eu tout un truc avec le harcèlement et tout des femmes, des Twitcheuses, Amazon Prime, enfin Prime Video, qui est quand même lié à Twitch, hein, parce que c'est Amazon les deux, a décidé de faire une vidéo pour sensibiliser les gens à ça, et ils auraient invité Carole Quintana à le faire, qui est pour moi pas forcément le bon exemple. Je dis pas qu'elle est pas bien, mais je dis juste qu'une femme qui s'est fait connaître en tant que femme objet, c'est compliqué de t'expliquer qu'il faut pas prendre les femmes pour des objets, tu vois. Mais bon, Twitch se fout de la gueule du monde parce qu'ils font ça, et à côté de ça, ils ont carrément ouvert un truc hot tube, tu vois. C'est à un moment donné, il faut que t'arrêtes de te foutre de la gueule du monde. Ok, donc je peux pas le taper pour l'instant, lui. Ah putain, l'enfoiré! Putain, c'est quoi ce bordel? Oh mais c'est n'importe quoi! D'où je me fais toucher là, je suis pas d'accord. Mais va te faire... va te faire foutre, mob. Alors attends. Ok, vas-y, on va la jouer comme ça. Oh l'enfoiré, c'est direct. Allez, reviens. Oh la bâtard. Ah ah, je t'ai eu cette fois. Je pense qu'il faut que j'attende qu'il fasse l'animation de jeter un truc. Ah le bâtard! Allez, fais ton animation. Voilà. Allez, vas-y, on gère. C'est comme inviter un boucher comme gérant d'une réunion de vegan. Ouais, c'est tellement ça! C'est vrai que je trouve ça un peu déplacé, quoi. Surtout que Twitch, au lieu de vouloir faire ça pour dire « c'est pas bien le sexisme », putain, mais qu'ils enlèvent la session hot tube. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Attends, il se passe quoi, là? Ah d'accord, il est là-haut, ok. Aïe, 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 aïe. C'est la phase de transition, classique dans les boss. Attends, il me l'a fait à l'envers, là. Il est où? Ah, elles ont été étouffées, là, c'était rigolo. Enfoiré, reviens! Je reste là, tu oseras pas revenir là, déjà. Voilà, allez, vas-y. Fais ton animation. Voilà. Mais non! Lance-pierre, non, tu confonds là, c'est pas le bon jeu. Alors, foiré, ça apprendra. Y'a pas un truc pour régène là? Une fleur? T'es con, là, Ira. Il est en haut ? Oh merde ! C'est vrai que je me suis pas servi de ça depuis le début. Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Ah ! C'est bon. J'ai plus de vie ! Oh putain l'enfoiré. Ugh !
Alors c'est ces merdes là, il est où? Ah oh, bâtard! Tu me laisses même pas regarder le décor sans me taper quoi. Putain, je veux détruire ça les gars. Putain, faut vraiment pas que j'anticipe hein. Putain, je vais me faire taper, je meurs. Allez, bientôt fini les gars. Vas-y, balance ta merdouille mon gars. Voilà. Je vais me faire tuer par une bestiole, par ces merdes là, tu vas voir. Oh non, il refait le truc. Ah. Non. Non, il y en a à côté de moi. J'ai eu chaud. J'ai chaud depuis tout à l'heure. Allez, balance tes merdes. Allez, les trois merdes. Voilà. Putain, faut que je rate partout au cas où il en fera apparaître à nouveau. Histoire de pas me faire baiser. Voilà. Ils sont morts, tes copains. Allez, reviens. Il est où? Il est là-bas. Vas-y, balance, 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 balance. Voilà! C'est ça qu'on veut! Bah, voilà. Ah, ça fait du bien. Parce que là j'avoue que je me sentais pas en sécurité avec mes PV. Je me sentais pas en sécurité. Voilà. Ah. C'est comment bosser chocolata comme psy. Ah, on va monter. Il faut protéger les bestioles. Bah, en fait, de ce que j'ai compris, les bestioles, elles ont peur. Et c'est la barre jaune que tu vois. Et en fait, quand il y a des monstres, les bestioles, elles ont peur. Et à force de buter les trucs, les bestioles, elles reviennent. Et je peux me servir de ça pour faire des actions. Le problème, c'est que les actions de se soigner, et ben, c'est genre des fleurs qui sont posées là et que les bestioles peuvent aller chercher. Les rots, pour reprendre le nom. On va les appeler les rots. Les rots, parce que c'est mieux que les rots quand même. Parce que les rots, j'ai l'impression de bleh à chaque fois. Donc les rots. Et les rots, le souci, c'est que bah, s'il n'y a plus de fleurs, ça marche plus, quoi. C'était easy. Ouais, c'est ça, ouais. Hop là. Alors, normalement, j'ai assez de points pour... comment je fais pour sa amélioration? Donc, j'ai... alors, déjà, j'ai récupéré ça. C'est avec R1, ok. En sprintant, appuyer sur R2 pour effectuer une puissante attaque écrasante. Ça, j'aime bien. J'ai récupéré ça. Appuyer sur R1 après une parade pour effectuer une attaque virevoltante. Oh, c'est pas mal. Ah, mais je fais jamais la parade. Je savais même pas que je pouvais. Maintenez R2 et appuyez sur carré pour créer un marteau à ro qui peut frapper loin. Oh, c'est bien ça. Je prends. Donc, attends. Bim. T'as vu ce que je fais? Embaucher Buccellati et Polnareff comme croque-mort. T'es con. Par contre, je sens que je vais presque en ligne droite depuis quelques temps et je pense que je rate plein de choses. C'est beau. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il te reste encore des points à dépenser. C'est vrai. Je vais prendre ça parce que j'aime bien faire ça. Yaa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 
Il peut faire les deux. Ouais, mais s'il dépense 50 euros dans le jeu, c'est 50 euros en moins qu'il aura pour me faire des dons. Et donc, faut y penser, c'est malin. T'as le son est bas quand même. Hein. J'y peux rien, il est à fond. Hein. And the land was once in perfect balance. But like all things, faut aller vers l'avant. The mountain shrine follows a natural cycle. Merci Mitsu. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Ouais, en gros, c'est la merde depuis quelque temps. Lost his parents, and he was left to take care of Benny and Zaya. C'est ça, Vezo. Il a qu'à sauter un repas. Mais il est mort, Taro, on est d'accord, là. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. Une relique couverte de corruption à la maison. D'accord, c'est celle qu'on a vue, à mon avis. Et où ils disent qu'il faut attendre que la neige fonde. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Ah bah t'as dos, hein. Après il faut y aller pour me financer un jeu. To a trained archer, the bow. Si je vais regarder Taker pour changer ça. Donc c'est là qu'on va pouvoir servir du bâton comme arc, je pense. Spirit guide staff is no different. Ah ah. C'est quand même super, il est super choupi le jeu, honnêtement. Puis pas juste choupi, mode pixelisé et tout, c'est vraiment très beau quoi. C'est un jeu, honnêtement, un triple A qui aurait ces graphismes là, ça me choquerait pas. Ça rembourse à mon gaz, ouais. Ouais, j'ai testé New World, il va y avoir des lives New World à partir de mardi, une sacrée chier, je te préviens d'avance. Hein. Des lives jusqu'à 5h du matin, je pense qu'il va en avoir un sacré paquet. Qu'est-ce que c'est beau. On décide samedi de la faction, hein, Spirity, parce que j'ai trouvé une guilde. Donc samedi à 21h, je saurai la faction, je t'en parlerai si tu veux. Tu vas rajouter l'alerte à Livedachi. Faudrait que je trouve un truc à dire là avec ça, mais pour l'instant c'est pas le cas. Par contre, je vais faire un truc Mados, mais j'en parlerai plus tard. Je dirai pas aujourd'hui pour que ça te laisse la surprise. Alors, essayez votre axe sur les cibles. Lorsque vous avez terminé, n'hésitez pas à vous entraîner dans les autres postes que j'ai mis en place. Ok. Allez, c'est parti. On va voir si je suis un blaireau ou pas. Attention. Tra la manette, je déteste ça. Franchement, la manette quoi. Ah, ça recharge automatiquement, ok. C'est tout? T'avais rien d'autre à me donner comme truc? Allez, vas-y, d'autres cibles. Ah merde, c'est les trois mêmes, je pense qu'elles vont plus rien rapporter là. Ouais, non. Eh ouais, j'ai un arc génial, moi, ma gueule. Allez, on va relever ce truc là. Peut-être bien. Ouais, je pense qu'ils recrutent un Spirity, je te dirais ça, mais c'est la guilde où il y a Zangdar, Naria et Zetsui, donc on aura l'occasion d'en reparler, quoi. Ouais, j'imagine, bah comme dans la plupart des jeux maintenant. Alors j'imagine qu'il faut faire ça pour activer le truc de téléportation. Par réflexe, je le fais à chaque fois. Mais je vais avoir une soundbox, ouais. Donc on va pouvoir rigoler un petit peu. Genre le premier son que j'ai enregistré, c'est les titans font mouiller quoi, c'était sûr et certain. Ok, donc en fait là je vais avoir pas mal d'essais de trucs pour me dire, attends, c'est tout? Mais j'en ai rien à foutre de ça. Tirer le levier pour une... Attends, ok, allez, on va voir ça. Allez, les rotes. Ok. Oh putain, j'ai tiré comme une merde là. Ok. C'est bon, on va attendre un peu, on va le refaire et là maintenant je suis prêt. Allez, vas-y. Hop. 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 Hop.
Ouais! Je suis trop powerful comme garçon! Ouais, faut que je demande à Gabi de m'entraîner. C'est tellement ça. Voilà, donc on va entraîner, on va voir pour pas être un blaireau à l'arc. Tire sur le tournicoto, peint pour commencer. Vise vite et touche les tous en plein air. Ok. Attends, c'est tire sur le tournicoto, il m'a dit? Ok. C'est pas ça? Ah, c'est ça, ok. Attends, y'avait rien en fait. Hop là, on récupère à nouveau. Qu'est-ce qu'il appelle les tournicoteaux? Ça? Non, ça c'est autre chose. Ok. Attends. Ok, c'est bien le premier truc que j'ai fait. Ah, j'ai peut-être pas tiré sur le bon. Oh, on peut rajouter de la magie. Ah, d'accord. Voilà, ok. Donc j'ai pas tiré sur le bon. Ah, c'était tournicoteau plein, j'ai pas fait gaffe. C'est moi qui lis la moitié des phrases à chaque fois. Youpi! 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 T'en es loin dans le jeu, t'as joué combien de temps du coup, Ira? Allez hop! Vous ne devez gâcher aucun tir. T'inquiète! Économiser, c'est mon deuxième métier. Détruisez les cibles pour progresser. Il y a trois niveaux de difficulté. Ok, c'est parti! Premier niveau de difficulté, down. D'accord, ok. Allez. On se concentre un peu, pas de bêtises. Voilà. Ah, s'il me dit qu'il a fini le jeu, je m'inquiète un petit peu parce que ça voudrait vraiment dire qu'il est super court, tu vois. Le... Why de Dio? Je m'en rappelle pas. Allez, on se concentre. Ah, j'ai plus de flèches. Voilà. Dépêche-toi! Je vais faire dans l'ordre qu'ils apparaissent. On sait jamais si c'est pas si c'est important ou pas. Voilà, c'est bon. Ah, quand il perd à la fin, là. Waouh! Bon, bah voilà, du coup, j'ai fini. Hein? Tirez trop rapidement, épuisera l'énergie du bâton, vous perdrez du temps à attendre qu'il se recharge. D'accord. Là, j'ai fini, on est d'accord. Là, si je le refais, ça va être la même chose, non? Ah, il me refait le même jeu du début. Hop. Voilà, ok. Donc c'est bon, j'ai fait le tour. Youpi. Ah, tiens, il y a un truc là. Chariot de chapeau découvert. Un chariot de chapeau? Mais non! Attends, je peux. Est-ce que je peux changer esprit, voilà, attends. Ah d'accord, c'est là qu'on change le chapeau qu'il a? D'accord, ok, donc c'est dans la boutique que je peux. Ah, je peux bouger leur tête. Allez. Attends, c'est tout? Merde, faut que j'arrête de faire ça. Ah d'accord, donc j'ai mis... Ah d'accord, donc tu choisis après, il y a des gens qui ont des champignons, d'autres qui ont des trucs. Attends, bah, du coup je vais m'amuser un petit peu. Vas-y, on va mettre dépôt. Deux hélicos.
Et 3 trèfles, voilà. Hop là. Avec R1 pour changer l'objet. Comment ça pour changer l'objet? Ah d'accord, ok, je parle de ça. Oui, donc je peux en mettre moins ou plus après quand il y en aura... quand j'en aurai acheté trop. D'accord, ok. Plus ultra. Ouais, il y a plein de sons à faire, franchement. Après, le plus gras, le plus difficile, c'est qu'il faut trouver... Attends. Peur de tarot. Ok, donc on va revenir, on va se téléporter. Du coup, je vais les voir. Ouais, du coup, ils ont plein de trucs différents. Le plus difficile, en fait, ce qui va poser un problème pour moi... tu étais bon. Comment ça, j'étais bon? Ah, d'accord, ok. Bah écoute, je vais continuer, hein. Attends, c'est de l'autre côté. Youpla. C'est par là, c'est par là. Je sais plus de quoi on parlait. Mais en fait, c'est parce que je fais 20 trucs en même temps. Je me rappelle plus de ma phrase. Ce qui va poser problème, c'est qu'il va y avoir une limite. C'est-à-dire que je peux pas mettre 40 alertes, tu vois. C'est à partir du moment où t'as fait les follow, les beats et les subs, c'est fini, quoi. Donc je peux pas... Vous avez 40 idées, mais je peux en mettre que 4, tu vois. À la rigueur, je peux mettre des trucs différents pour YouTube. Mais comme YouTube, il y a juste les... Des fois, il y aura des subs qui passent, tu le vois, avec le végétal. Le végétal, le Nandatoro, c'est quand il y a un abonné sur YouTube. Des manifestations de corruption patrouillent le chemin devant. Votre acte va suffire à dégager la voie. Attends, est-ce que je peux faire ça? Ah, d'accord. Attends, votre acte devrait suffire à dégager la voie. Aouh! Ok, il a disparu. Ou Ned, allez, vas-y. Voilà. Tue pas, toi. Hop là, c'est moi qui tue, les gars. Manifestation. Y'a pas de gilet jaune dans le jeu. Pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être que j'ai pas été assez loin dans le jeu, hein. Bim. Merde, je suis trop loin. Est-ce que je peux taper dedans comme ça? Oh, nickel. Lelo, 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 lelo. Tu me donnes une cerise? Lelo, 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 lelo. Alors, j'imagine que faut faire ça pour casser le truc. Attention! Bam! Lelo, 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 lelo. Ah, déjà, j'ai mis le... Sub, hein, vas-y. Ce chemin corrompu mène à la demeure de la corruption et très puissant. Faites attention, Kena. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on va valider ça. Je sais pas s'il faut faire... Ben, je fais à chaque fois. Voilà. Ah, les graphismes sont vraiment sympas. Donc là, de toute façon, il n'y avait rien. Ok, donc il n'y avait pas de chemin ici. Ça règle le problème. Allez. Je peux taper quand c'est comme ça? Non, je peux pas taper, ok. Donc c'est vraiment juste de la glisse. Hein. Youpi. Ah. Je sais pas si on peut choisir avec par rapport au don. J'essaierai Dragor de toute façon. Mais Streamlabs est quand même... Enfin, j'ai l'impression que Streamlabs est quand même limité. Je me trompe peut-être, hein, mais bon. Où t'es, bestiole? Voilà, c'est fait. Je connais quand même un petit peu les jeux vidéo, je sais comment viser avec ces merdes-là. Voilà. Ok, il disparaît. Merci, Mados. Ah, vous, il pète le tout-doudoudoudout.
plat. Ah, je pense que ça, c'est pas amical. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ce truc-là ne me veut pas du bien. Oh, d'accord, donc il arrive d'entrée, comme ça. Ça va, c'est la fête, mec. Hop là, régène de vie. Wouah! Même le son du coup est étouffé, tu sais. Ah! Oups, j'ai visé à côté. Allez, allez! Oh oh! Aïe! Mais c'est pas très gentil, ça! Monsieur le monstre, vous êtes pas très amical comme garçon! Ouah! Ah, mais putain, je me déplace et pourtant il me tape quand même! Ah, attends, on va faire la fleur là. Merci de me régénérer, c'est gentil. Waouh, mauvaise idée. Putain, mais je pensais que ça marchait juste l'esquive quoi. Ok, ça ne marche pas. Ils m'ont vraiment oublié. Comment ça, ils t'ont vraiment oublié? Vas-y. Un petit côté de Dark Souls. Ouais, c'est quand même plus facile que Dark Souls, heureusement. Allez, je passe à droite au cas où il y aurait des bonus à aller chercher. Non, y'a rien. Ça s'appelle un massacre. Mais non, faut juste le temps que je comprenne comment marche le boss, tu vois. Hop là. Donc, concentration, les gars. Que ça ressemble à Dark Souls, tu trouves? Faudrait que je fasse en sorte de pas perdre de vie avant d'arriver au boss, quoi. Pour pas avoir besoin de claquer une merdouille avant, tu sais. Hop. Voilà. Voilà. Normalement, il doit en rester un ou deux. Ah bah non, c'est bon. Ouais, elle est moins lourde. Jean-Pierre Kennedy. Putain, j'ai eu chaud là. Putain, il balance son truc lui. Putain, je vois pas comment. Bon, je vais essayer de parer, je vais essayer de bloquer le coup. Hein. Voilà. Je suis plus là. Putain, j'ai plus le temps d'esquiver. Il y a un endroit à viser avec ça. J'ai vu tout à l'heure que c'était affiché. Putain, c'est compliqué là. Faut que je vise son œil à la con là. Ah putain, j'étais dans le truc, je pouvais pas bouger. Oh, putain, c'est tellement violent lui. Voilà! Dédicace à Marco. Et le stone Maruko. Faut que j'arrive à lui péter celui qui est derrière lui. Comment je vais faire pour viser derrière lui? Attends, je peux faire un truc avec les machins là. Voilà, nickel! C'est ça qu'il faut faire! Ok, super. Allons, on récupère ça. On s'éloigne un petit peu. Oh, pas assez éloigné. Non, je peux pas régénérer la vie. Non. Putain. Je suis dans la merde. Putain. Vite. Vite, un dernier coup. Oh non, il m'en manquait encore de coups. Voilà, c'est bon. Vite, régène, régène. Merci, jeu. Bon. Maintenant, faut juste que je le tape. Putain, raté. Putain, j'ai fait trop tôt. Voilà. Il faut juste que je tape assez pour récupérer le truc, là.
Comme ça, je l'occuperai. C'est bon, j'ai compris. Je me concentre, hein. Désolé les gens. Allez, monte. Ah putain! Putain! Mais. Vite! Non! 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 J'ai rien fait, je suis pas là. Je me suis chié dessus! Allez, viens! Raté, mon gars. Oh, je l'ai eu quand même comme ça! Oh là là, je suis trop fier de moi. Oh, je suis trop fier de moi. Tu vois, j'ai même pas besoin de ça. En fait, c'est pour ça que j'ai fait exprès de rater inconsciemment. Inconsciemment, mon cerveau m'a dit, mais Marco, t'es trop fort, t'as pas besoin d'arrêter le mob pour le tuer. Voilà, tu vois, c'est comme ça. J'ai pas choisi d'être doué. Je suis né comme ça. Alors, donc, il faut que j'aille taper la corue là-haut. Hop là. C'était pas très propre. Je vois pas de quoi tu parles. C'est super joli, les effets que ça fait, tu vois, quand tu sauves une zone. T'es en train de me mentir là? Non, non. Je vois pas de quoi tu parles. On a ravivé le power du masque. D'accord, ok, Ira. Moi, je vais continuer un petit peu. El Renard, El Renardo. D'accord, j'avais pas vu qu'il fallait appuyer. Il aimait ses bois et j'ai fait de mon mieux pour lui apprendre les anciennes coutumes. Consommé par les problèmes de notre village, je n'étais pas présent pour Taro lorsqu'il avait plus besoin de moi. C'est pas cool, mec. J'espère que nous pourrions lui apporter la paix. Plus les reliques sont cachées, plus la corruption qui recouvre la forêt oubliée. Je vous attendrai là-bas. Ok, d'accord, on y va. Allez, c'est parti. Relique découvert, le couteau de Taro. Ok. Bon bah, attends, on va quand même voir dans la maison s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Ah ! Je suis niveau 2 ! Les dialogues sont... Bah en fait, c'est le son qui est pas terrible, je trouve. Parce que là, j'ai vraiment mis le son à fond hein, du jeu. C'est ouf. Hein. Bing. Attends, il y a un truc à ouvrir là. Voilà. Il y a un truc là-bas. Non, il y a rien. Ok. Les effets de lumière sont en tout cas très jolis. J'aime beaucoup. Alors. Ah, faut continuer par là, j'imagine. Du coup, il me fait retourner à la forêt oubliée. Eh, je vais y aller par là-bas, en fait. Maintenant, on va y aller en dérapant. Allez, les routes. Ouais, mais je prends mon temps, c'est tout. Ah, il y a un nouveau petit bonhomme. Salut! Trop mignon! Oh, 35, tu te fous de ma gueule, jeu? 35? Oh la vache, quoi. Ouais. Il m'aime pas, le jeu, quoi. Tiens, j'ai parlé au gamin. It's good to be back. It's good to be back. Ah, désolé de te le dire, mais Taro, je pense qu'il n'y reviendra pas de sitôt. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? Peut-être. Hop là. Non. Ok, rien du tout. Un peu tristounet, ça. Là, je suis déjà allé là-bas, ouais. On va passer par là. On va descendre gentiment. Je vais pas me TP. Je vais juste aller mollo. Alors, attends. Ça, c'était le pont qui était pété. Ah non, c'est pas le pont. Si. Alors, est-ce que je le fais, à votre avis? Non, je le fais pas. Ouais, bah oui, mais Aurélien, ce jeu se finit très vite, à mon avis. Hein. Mais c'est juste que moi, je suis content de prendre mon temps. Hein.
Ah bah attends, y'a un truc là, je suis con. Voilà. Ah bah oui, ok. Voilà. Salut, je perds mon temps. J'ai eu des bugs de site pas traduit, je te confirme. Il y en a eu deux à trois reprises. Après, c'était juste genre deux phrases, quoi. C'est pas très très grave. Mais de toute façon, c'est clairement pas un jeu qui se joue... Enfin, c'est clairement pas un jeu qui va demander des heures et des... Oh, trop bien, ça! Qui va demander 20 heures de jeu, je pense. Youpi! Trop marrant, le truc. Youpi! Et voilà. D'accord, donc ça me permet de remonter rapidement, ce truc-là. C'est cool, leur système. Allez, hop, on descend. Hop! Non, ça va pas être le jeu de l'année, mais moi, honnêtement, c'est pas ce que je demande à un jeu, d'être le jeu de l'année. Mais bah après, cette année, il y a eu quoi de bien, honnêtement? Qu'est-ce que vous retenez de cette année vidéoludique? Bon, on n'allait pas finir, on est d'accord. Mais là, par exemple, on est quand même au mois de septembre, donc on a quand même bien consommé l'année. C'est quoi les jeux où vous dites « Waouh, ce jeu-là, je l'ai retenu, c'est le meilleur jeu de l'année » ou autre, parce que... J'ai pas le sentiment d'avoir un jeu qui m'a marqué à ce point-là, tu vois, où je puisse dire ça. J'ai raté. C'est pas grave. Oh, bonjour. Oh, c'est pas grave. New World, le seul. Ah, c'est un peu tôt pour... Enfin, pour moi, en tout cas, pour juger New World. Parce que j'ai pas... J'ai joué à la bêta, tu vois. Donc... Là. Ah, mais il a un cristal dans le dos aussi, j'avais pas cramé. En tout cas, je pense que je vais jouer les violets. Pour les, tu sais, les trucs de... Ah merde, à chaque fois j'oublie qu'il fait debout. Je pense que je vais jouer la faction violette. Il manquait un coup, j'avais pas vu. Ah, je me suis arrêté. On apprendra. Est-ce qu'il y a moyen de péter ça? Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec les... Non, il n'y a rien. Est-ce que si je vais voir là-bas, je vais trouver quelque chose peut-être? Ghost, c'est l'année dernière, je crois. Ouais, Ghost of Tsushima, c'est au moins l'année dernière. c'est pas tout jeune, quoi. Alors, je pense que je suis pas passé par là encore. Ah bah tiens, encore un autre truc de chariot de découvert. Chariot à chapeau. Hop là. Voilà, un petit peu de tunas. Encore un peu ici. Hop là. On peut monter, je sais pas, là je suis... Saisir leur bord, non, je pense que je peux pas faire plus là. Là quand tu regardes la map, je pense que pour l'instant je peux pas faire plus. La question c'est comment arriver ici. Attends, peut-être en fait j'ai rien dit. On va essayer quand même. Mais oui, y a pas grand chose qui m'a marqué cette année honnêtement. Ah merde, j'arrive plus à monter, je suis con ou quoi. Mais... Ah quand même, je l'ai fait une première fois, fuck. Alors, non, je pense que je peux pas monter. Non, je pense que je peux pas monter pour l'instant. Ah, et Cyberpunk, c'est pareil, c'était l'an dernier, Judas. Parce que c'est sorti en décembre, non? Mais c'est vrai que cette année, je trouve que c'est un peu pauvre, quoi. Attends, je peux pas avancer? Ah, si, quand même. Je peux sauter par-dessus, je me disais aussi. Passer là maintenant. Il y aurait pas un truc à faire pour ouvrir cette porte? Là il y a la corruption que j'ai pas faite. Ah non, c'est... Attends, si. Bon. Il y a bien un truc à faire ici, j'imagine. Ou alors j'ai déjà fait. Ok, donc ça, c'est le truc où j'ai fait un tiers pour l'instant. Ok, donc on va trouver Miles Morales. Bah, je crois que c'est pareil, Miles Morales, c'était l'an dernier. La question, c'est comment... Alors, attends. Peut-être qu'on peut quand même passer par là, maintenant. Avec le couteau, il doit y avoir un truc à faire, ça me paraît évident. Tu vois, là, je dois aller là-bas. Je peux pas avoir récupéré le couteau à la con là pour qu'il serve à rien.
C'est sûr et certain qu'il y a un truc qui... Il a une utilité quelque part, quoi. À la nouvelle Switch OLED, ça déchire. T'es content d'avoir la OLED. Donc il faut vraiment que j'aille là. Mais comment que c'est que je fais pour ouvrir ça? That is the question. RE8, oh putain, si RE8 c'est le jeu de l'année, honnêtement, c'est un problème pour moi. Parce que c'est pas que le jeu est mauvais, c'est juste que c'est pas ma cam à la base, donc... Ouais, il faut vraiment que j'aille là, je pense. La forêt oubliée, à mon avis, pour y rentrer, il faut passer par là. Mais tu as loupé au-dessus de la porte, il y a deux cristaux. Ah, effectivement, oui, t'as raison. Attends, est-ce que je peux tirer dessus? Non, ça marche pas. Je peux pas les activer comme ça. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il y a un truc à appuyer, peut-être sur celui-là? Non, quand même pas. Ah si, ok. J'aurais pas pensé, tu vois. Enfin, j'aurais pensé, mais après un sacré paquet de temps. Merci, Ira. Little Nightmare 2 était très sympa, ouais. Et j'avoue, il y a beaucoup de jeux qui ont été retardés, ouais. Forêts oubliées. Pardon, avec la liaison, c'est forêt oubliée. No one knows the true age of these shrines. Ok, à chaque fois, j'ai pas l'habitude d'appuyer sur croix. Watching over the forest like ancient guardians, Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can mark the shrine locations on your map. Ça c'est gentil de ta part d'avoir marqué les emplacements. I'll work to clean the shrines. Du coup, ok, on va purifier les temples et après, on aura fait, on sera bien occupé pour la journée. Et du coup, ouais, c'est pas un jeu en couloir, tu vois, ça fait plaisir. Bonne nuit, Aurélien. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a aucun jeu que je retiens cette année, pour l'instant. Ok, merci, mec. Ah, attends, il y a les mecs au-dessus, là. Oh, c'est quoi cette bestiole? C'est quoi cette bestiole? Hé hey. Voilà, je l'ai tué. Ah, mais il y en a d'autres! Bon, je te tutoie. Là. Ah, merde, j'ai raté. Ah, j'avais plus d'énergie pour faire le truc. Bim. Aïe! Putain, merde. Je vois les bestioles qui se baladent à droite à gauche, ça me fait marrer. Hop, allez, on régénère la vie, les gars. Putain, enfoiré. Raté. Et t'es mort. Voilà. Toi, la saloperie, là. Merci. Du coup, maintenant, je peux remplir deux trucs en même temps, c'est cool. J'aimerais bien savoir pourquoi Twitch a soumis à modération le message sur les jeux repoussés. Des fois, on préfère pas savoir. Aïe! Oh, je kiffe ce pouvoir. J'ai bien fait de le prendre celui-là, je pense que je vais m'en servir pas mal. Hein. Du coup, est-ce qu'il y a un truc que je dois purifier ici? Ah, t'es pas là, j'avais pas vu que c'était là. Entre les yeux, mais lol! Ah putain, il y a l'autre qui vise derrière. Attends, je vais voir si je peux pas régen, parce que j'ai été trop con là sur ce coup-là. Ok, il n'y a pas de truc de régen. Oh putain! Ok. Ça, c'est pas cool, je peux même pas me balader. Et du coup, ouais, faction, il y a de grandes chances que ce soit la faction violette. Je sais pas laquelle t'as prévu, Inspirity, j'ai pas vu si t'avais répondu au message ou pas. Bon, attends, on va faire un truc déjà, on va monter les butées. Il me saoule. Salut les gars. Tu t'es.
Toi aussi, merci bien. Voilà. Attends, on peut revenir en arrière. Ah putain, le con. C'est pas grave. Ah putain, ils sont tous là, quoi. Bim. Waouh, la vache, la chute que j'ai fait. Raté, mec. Putain, la caméra. Hop là. Raté. Ok, vous êtes deux, les gars, vous êtes contents. Putain, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, on régène. Et je veux faire l'attaque spéciale. Voilà, merci. Ah, hop, allez, vas-y. Tue-toi. Putain, mais merde, à chaque fois, je pense que je l'achève et non, il manque un coup. Attention. Bim. Casse-toi, vas-y. Ah, ils aiment pas retarder. C'est pas vraiment un mot qui kiffe, Twitch. Comme sexisme. Ou montre-nous tes miches. Ah non, ça il l'autorise. Mais seulement si tu fais un don. Hot tube. Ah non, ça c'est légal aussi. Putain, il y a plein de choses qui sont légales et que j'ai oublié. Ah. Et ben voilà, c'est plus joli maintenant. Donc, j'ai fait un temple. Enfin, j'ai fait un truc. Il m'en manque un. On va continuer un petit peu. Salut, t'es content de moi? La neige fondant une structure de la montagne alimente ses ruisseaux. L'eau ici est sacrée. D'accord. Bah écoute, c'est super. Je suis content de le savoir. Hop. Hop. Pas de dégâts de chute, merci. J'ai eu à utiliser les héros. Ah, ah, ah. Donc là, il y a quelque chose à faire. Réfléchissons. Viens avec moi, petit. Est-ce que je peux l'amener par là-bas? Peut-être là. Je peux l'amener jusqu'où? Par là? Vas-y. Attends. Donc là, ça harmonise ce cristal-là. Est-ce qu'il y a un autre cristal à voir quelque part? Il y a un... Ah, ok. Il y a un, trois... il y a un autre cristal à voir. Ok. Donc, oh putain, c'est les phases énigmes que j'aime pas. Ah ouais, il y a eu quoi sur God of War Ragnarok aujourd'hui que j'ai raté? Bon, déjà avance-le par ici, mec. Alors déjà, on peut pas l'avancer ici. Donc ça, au moins, c'est une chose de claire. Donc la question, c'est où est-ce qu'on peut l'emmener? Où est-ce qu'il y a un autre cristal? Je vois pas trop, peut-être là, je sais pas. Ce serait bizarre. Est-ce qu'on peut l'emmener de l'autre côté? Non, on peut pas. Donc on doit... Tu as joué à Returnal? Non, j'y ai pas joué du coup. Alors, réfléchissement. Je pense que c'est peut-être moi qui ai pris le truc à l'envers. Alors attends, c'est où qu'il faut faire? Donc là, il y a quelque chose ici qui s'allume. Ah bah j'ai réussi. D'accord, donc j'avais bien fait de le faire comme ça. Ok. La rumeur circule qui va sortir début 2022 et beaucoup de critiques sur l'apparence de Thor aussi. Oh, franchement, les mecs ils gueulent sur l'apparence de Thor, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Les gars ils ont vu Avenger, alors ça y est, on n'a pas le droit de faire un autre skin à Thor quoi. Les pierres sont enfouies profondément, connectées au flux d'énergie sous la terre. Ok, c'est passionnant. Merci de me laisser utiliser l'héro. Allez, on va là-bas. Oh putain, il a changé le truc. Ça semblait plus à ça tout à l'heure. On va là-bas. Viens là-bas. Ya. Ah bon, on a tout pété. Bim. On sent que j'ai level up. Hein. Alors, utiliser les routes. Ouais, mais utiliser à quoi faire? C'est ça la question. Attends, pour l'instant on va... Oh non, je fais une connerie.
On va relâcher l'objet, on verra après. Hop, hop. Hop, hop. On va monter. Salut Nagano. Donc, j'ai deux zones à purifier encore. Salut, Sidi. Allez, on remet la statue comme il faut. Ben, on continue, c'est par là. Ah putain, j'avais pas compris le truc, c'est pas ça? Ok, bah, attends, bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y aura des balades à faire. Ah, je trouve vraiment top ce jeu, franchement, j'adore. Très rafraîchissant, très dépaysant. Il y a un truc là? Ah non, c'est mes copains. Ok. Allez, vas-y, on continue par là. Il y a un truc à purifier. Purifions. Purifions. Bon. Là, il y a un truc, je l'ai vu. Ok. Ah, c'est à la God of War, tu sais. Tout ouais. Et donc, est-ce que je... C'est quoi qu'il y a là-bas, là? J'ai l'impression qu'il y a un truc. Je pense que je me trompe, mais bon. Pim. Il n'y avait rien. Ouais, ça fait plaisir de voir de pas voir un énième copier-coller. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors attends, en général, dans ce genre de truc, si c'est une énigme à la, c'est ce que j'appelle une énigme à la God of War, je pense. Il faut que tu sois à un point fixe et que tu puisses atteindre les différents lieux, les différents trucs qui sont sur la map. J'ai peut-être pas trouvé le bon point fixe pour tout avoir. Il doit m'en manquer un quatrième. Là, voilà, c'est bon. Donc il y en a un là. Un là. Un là. Attends, en fait, il vise automatiquement, ça fait bizarre. Et un là. Voilà. Aïe. Merde, je m'attendais pas à ça. Attends, oh, j'aime pas ces merdes volantes. Hein. Voilà. C'est tout. Attends, c'est vraiment tout? Tu te fous de moi? Me dis pas qu'il faut que je refasse les trucs des flèches, là. Ah merde, je suis con. Allez, on refait. On verra bien. Et derrière, du coup... Ok, donc il se recache. Et donc j'ai à nouveau les... Oh merde, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau, mauvaise idée. Ah putain, on peut pas les toucher comme ça? Ok, bah c'est pas grave. Oh la saloperie, il a esquivé. Donc je pense que j'ai pas fait la bonne méthode, parce que là j'ai l'impression qu'on a... J'ai la deuxième fois la même attaque. Des deux mobs à la con. Donc je pense que quelque chose... Quelque chose que j'ai pas compris. Dans la façon de faire, mais je vois pas laquelle. Il doit y avoir un ordre précis, je pense. Que certaines allument une flamme. Ah, c'est pas con ce que tu dis. Alors, on va essayer de voir ensemble. Ça, c'est ceux de ça, c'est celle de gauche. Ok. Ok, ça c'est pas assez long. Ah merde. Ça c'est celle-là. Donc en fait, ici c'est là. Celle-là c'est celle de devant. Ensuite, t'as celle-là qui fait celle-là. Ok. Attends, il y a des nombres de bougies. Donc, on va essayer de respecter un peu. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. On va attendre que ça se termine et on va recommencer en faisant 1, 2, 3, 4. Allez. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti. Donc, la 1, c'est celle-là. Voilà. La 2, c'est celle-là. La 3, c'est celle là-bas. Voilà. Il faudrait un truc pour retourner la caméra automatiquement, franchement. Et la 4.
Bingo! Ouais, bah écoute, franchement, faut voir le jeu. Je veux dire, les gens, ils peuvent pas juger juste sur la gueule de Thor. Puis je te dis, c'est juste parce qu'ils sont habitués à voir Avenger où Thor, c'est un beau gosse blond ultra baraque, alors que là, bah, hein, c'est un Thor gros beauf, quoi. Mais c'est pas grave, tu vois. Franchement, tout dépend ce qu'ils vont en faire. Tout dépend ce qu'ils vont en faire. T'as pas le jeu en main, tu peux pas juger, quoi. Puis ça va être un personnage secondaire, à mon avis. Ou même si c'est le méchant, enfin, c'est pas un personnage que tu croiseras toutes les secondes, quoi. Donc, je sais pas pourquoi les gens font une fixette sur le chara-design d'un perso. Surtout que, enfin, moi je sais pas, ça me dépasse ce genre de choses. C'est comme les gens qui passent 3 heures à... Attends. Je pense que là j'ai peut-être plus simple à faire que faire le tour, mais c'est pas grave, on va le faire. Je pense que là je peux pas le faire encore, il faut que je finisse ce truc. Connecting it with the ancient shrines. D'accord. Voilà, je me disais aussi, il veut que je purifie les sanctuaires avant de continuer. Donc il faut que j'aille trouver le moyen d'aller à droite. Deathloop, je l'ai pas testé honnêtement. Pourquoi ils me font avoir ça? Qu'est-ce que je peux en foutre de ça? Cette statue de hibou. On peut pas l'emmener ici déjà. Par contre, je peux l'emmener là. Vas-y, ramène la statue de hibou ici déjà. Parce que je pense que. Et ils sont où? Elles sont où mes bestioles? Ah, tac tac. Hop 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 hop. Qu'est-ce que je vais foutre avec cette statue de hibou? Bon, foulala, on verra bien. J'ai. Ah bah attends, elle va être là-bas. Allez, viens. Allez, les copains, plus vite. Bah, c'est juste que je peux pas acheter tous les jeux qui sortent, CD, parce que là, tu te dis, j'ai acheté Kena. Je vais acheter à ma femme Diablo 2 Resurrection bah, dans 2 jours. Mardi, j'achète New World, et en plus, je m'achète un nouveau PC gaming. Donc, je pense que ça va aller financièrement. On va laisser... ouais, c'est 2 secondes. Je vais arrêter un peu de dépenser ma thune dans les jeux, là, pour un petit peu... Voilà, donc ça c'est pareil, je pense qu'on va la ramener là-bas aussi. Ah non, tout à fait, hein, mais je disais pas ça, faut pas le prendre mal de toute façon quand je dis ça. Ah mais attends, il a pas récupéré la truc? Allez, vas-y, récupère-le. Voilà, merci. Avancez un peu. Avancez beaucoup. Et on le pose ici. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Plus vite que ça, les larbins. Allez! Allez! Putain, dépêchez-vous. Ils mériteraient des coups de pied au cul, quoi, ces gens-là. Voilà. La CB, elle va fumer grave, Mitsu. Elle va prendre très cher, là. Déjà, tout à l'heure, quand j'ai acheté les 50 euros de PlayStation Store, tu sais, elle m'a dit non au début. Elle a fait « Non, s'il te plaît, fais pas ça !» Bonne nuit, Ira. À la prochaine. Et bon jeu, la prochaine fois que tu joueras. Trop choupi. Moi, je vais kiffer, tu vois. Je pense qu'en live, j'avancerai pas dans l'histoire, mais je vais me balader un petit peu, tu vois. Je vais peut-être aller chercher des trucs en plus, cachés, que j'ai pas vu ou autre. Ah, mais merde, me dis pas qu'il a lâché le truc encore. De rien, après une course de kilos. Allez, viens. Hop, 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 les gens. Allez, on accélère. Bon, j'imagine que ça va débloquer un truc de faire ça. Ouais, mais de toute façon, les gens sur Twitter, ils sont un petit peu cons. Salut, Steph. Ah, oh, un nouveau chapeau de serre, excellent. Donc là, il faut que je débloque. Donc on en était à là. Il faut que j'aille débloquer ce machin-là. La question, c'est comment l'atteindre. Alors je pense qu'il faut passer par là. On va essayer de voir. Peut-être qu'il faut monter sur le truc, là. Voilà, regardez, comme ça. Ah, ok. Donc on peut pas monter sur le truc. Ça, c'est fait.
qu'on peut passer sur le côté. Je suis en train de faire le tour là complet. Waouh, je fais vraiment un grand tour. On va passer de l'autre côté plutôt. Hé ! Attends, ça fait rien de faire ça ? Merde alors, j'aurais cru. Ah si, j'ai débloqué un truc. Une nouvelle créature. Oui, salut toi. Ça va et toi, Steph ? Putain, je suis loin, hein. 17 sur 35, quoi. Faudra pas être pressé, hein. Vas-y, on va continuer le chemin. Alors, en fait, je pense qu'il faut que j'arrive à monter sur l'arbre, mais je pense qu'il faut que je passe par le haut, en fait. Maintenant, la question à se... Pourquoi les guébécioles, elles sont là? Non, je sais pas. La question à se poser, c'est comment on fait pour monter sur cet arbre? Les bestioles qui m'encouragent, ça me font trop marrer. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure... Y'a pas un truc qu'on peut passer là? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Non, c'est des effets de lumière, ok, tant pis. À faire une glace au crochet? Excellent. Alors attends, on va par là. Et il faut que je trouve comment monter dans ce putain d'arbre. Putain, en tout cas, c'est pas par là, c'est sûr et certain. Parce que là, ça me fait glisser. Si vous avez une idée, quelle qu'elle soit, je la veux bien. Parce que là, tu sens que le chemin est trop escarpé et qu'il y a le mur, les fameux murs invisibles que vous connaissez tous. On peut pas passer là non plus. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire avec l'arc? Quelque chose à viser, je sais pas. Non. T'as les bestioles qui me tournent autour à chaque fois. Non, ça sert à rien non plus. Il y a peut-être... Ah non, en fait, je croyais, mais non. Si je fais ça... Merde, c'est pas ce que j'espérais. Là, c'est de là d'où je viens, donc ça n'a pas d'intérêt que j'y aille. Hop là, chelou. Peut-être qu'il faut que j'arrive à monter là-dessus... Peut-être que je monte dans cet arbre-là pour atteindre l'autre. Mais dans ces cas-là, comment monter dans cet arbre-là? Il n'y avait pas un truc là qu'ils m'ont proposé? Non, je croyais. Il y a un coffre là. Donc déjà, on va essayer de choper le coffre qui est ici. Aïe. Hop. Hop, hop. Ah putain! Salut, je suis un mur invisible. Oh, enchanté, mur invisible. Merci d'être là, c'est gentil. Ok, donc déjà, on peut pas passer par là. Ah, tiens, ça, c'est un passage qui est fermé. T'inquiète, ça viendra. Eh, attends, ça, j'ai pas fait. Ok. Je vais mettre le masque, voir s'il y a un truc. Oh, j'ai une idée. Là, je vois... Alors là, c'est vraiment ça, oui. Je pense qu'il faut que je réussisse à m'envoyer en l'air. Au sens littéral du terme, évidemment.
Parce qu'à mon avis, il faut que j'arrive à monter tout là-haut. Et c'est quand je serai en haut que je pourrai aller dans l'arbre qu'il faut là. Je pense que là, pour atteindre la corruption qui est là-haut, il faut absolument que j'arrive à monter. Mais comment monter? Comment monter dans l'arbre? Ouh, je sens que ça va être un peu galère, les gens. Il y a un coffre là que j'ai pas pris. Je le vois, il brille de mille feux, il m'appelle. Voilà. Alors, attends. Je pense que je suis à peu près au début. Ouais, je pense aussi, Mitsu, que là, je suis pas sorti de la verge. Alors là, je suis au début de la zone. Je pense quand même qu'il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. Parce qu'en général, ils font quand même pas des jeux putes à ce point-là. Et j'ai l'impression que ce truc-là sert bien. Tu vois, on voit quelque chose ici. Ça, c'est le point à purifier. C'est le point à purifier en bleu, et le point en jaune, c'est mon objectif. Non. Là, tu vois, on voit le système qui permet de monter, là. On voit la liane qui permettra de faire passer un treuil, là. Enfin, qu'il y a le treuil qui est là. Mais putain, mais comment est-ce que t'accèdes là? Alors déjà, cet arbre-là, c'est mort. On voit bien que c'est un truc qui... Ah non, quoique. Non, c'est mort. Ah, attends, attends, attends. Il y a un truc là. Yes! Je pense que j'ai peut-être trouvé le début. Voilà! Et voilà, désolé pour de te décevoir, Mitsu, mais j'ai l'impression que ça s'est débloqué tout seul. Ou pas. Ouais, bah c'est super, et maintenant que je suis là, je vais où? Il est gentil, le jeu. Il fait « Waouh, c'est trop bien, t'as avancé !» Merde, alors. Toujours pareil, l'objectif. Akira qui se présente aux élections présidentielles. Akira, c'est pas la meuf avec le masque, là? Moi, je comprends rien à ce truc-là. Je comprends rien à ce truc-là. Oups. Hop. Et voilà. Ah, bah oui, attends, c'est pour ça, il y a ça à faire après. Hop là. Ok, on monte là. Hop. 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 Et voilà. Hop. Allez, vas-y. On fait le tour. Allez, Uncharted Spotted, les gars. Alors, s'il y a ça, c'est que forcément, il y a un intérêt. Ah bah tiens, évidemment. Je sais pas, qu'il y a un truc à aller chercher là-bas. Alors là, je m'aventure dans des eaux, je pense que c'est pas une monnaie. C'est Kena, ouais, c'est un nouveau jeu. Déjà, on va avoir un super débat entre Mélenchon et Zemmour. J'ai hâte. Courrier détruit ramassé, livrer le courrier au village. Ok, c'est super. Putain, me dis pas qu'il va falloir que je recommence au début parce que je suis lourd. Non! 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 Ce passage-là, c'est à sens unique, bordel de merde. Non, je voulais pas recommencer du début, j'ai galéré à venir ici, sérieux. Ah non, il y a un truc là, il y a un truc que j'ai vu. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est le truc où j'étais déjà. Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose pour passer de l'autre côté. Prions, prions, mes amis, pour qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Ouais, Twitch qui veut faire un truc contre la femme objet en présentant deux femmes objets. C'est... Enfin, une femme objet, l'autre, je sais pas. Hop, 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 hop. Oh, y a pas de roi des guignols, gros Judas. Ils sont tous, ils sont tous graves. T'inquiète, même si Zemmour l'est bien aussi. Malheureusement, s'il y avait que Zemmour qui était un problème, ce serait bien.
Voilà, t'as tout graillé, mec, et maintenant, bim. Et Ratsa, qui c'est qui avance dans la zone, là? Qui c'est qui va réussir à débloquer le passage, hein? Ah, attends, je pense qu'il faut tirer... Ah non, tirer là-dessus, c'est pour emmener là-bas. Donc on va tirer là, et le truc va aller de l'autre côté. Et voilà! Il est vraiment sympa ce jeu, Steph. Il est sorti sur PC, PS5 et PS4. Et vraiment une très bonne surprise pour moi. Enfin, surprise. On s'y attendait un petit peu, vu ce qu'il y avait, mais vraiment très agréable. Et le très, très divertissant, très rafraîchissant, tu vois, par rapport au jeu qu'il y a d'habitude. C'est pas un énième repompage d'un jeu ou autre, quoi. C'est vraiment... Eh oh! Ah putain, la truc explose! Aïe! Mais t'es sérieux? Ah ok, il y a lui, c'est pour ça. Je déteste ces... Putain, j'ai perdu. Ah non, t'inquiète, c'est juste qu'on s'intéresse pas au dé... Attends, ouais. Quand t'as des élections avec Bush ou Trump. Trump aux États-Unis, franchement. Désolé, mais on n'a pas forcément la palme, hein, quand même. Allez, vas-y. J'ai compris comment ça... Je me ferai pas avoir deux fois par le même piège. Voilà. Putain, il a tiré au moment où j'ai bougé. Crève toi, voilà. Il faut que je bouge de façon. Hop là. Putain, sérieusement? Sérieusement? Non! Ah non, ça va. Ouais, mais Trump, il voulait aussi dégager les gens du pays, hein, rappelle-toi. Allez, hop, on vient ici, les gars. Et hop, casse-toi, mec. Voilà, t'es gentil. Allez, venez. Putain, oh putain, putain. Oh putain, j'ai failli tomber. Aïe, mais sérieux. Une bestiole de merde. Mort. Toi là, je t'ai vu. Oh putain. Non, je me suis mangé la flèche, sérieux? T'es chiant, toi. Voilà, merci. Je déteste ces bestioles là. Putain. Voilà, il en manque une, je l'ai vu, elle est cachée là. Raté. Putain, tu me saoules, toi. Voilà. On va là-bas. Ah, putain. Toi, tu crèves aussi. Je reviens là-bas. Je pense que t'auras pas Mélenchon élu. La plus grosse crainte que tu peux avoir, c'est pour Marine Le Pen, honnêtement. Allez, hop. Rien là à faire, non. Putain, y'a... C'est hyper relou, ces bestioles-là. Mélenchon, il a 11%, tu vois. Ça, t'es pas trop inquiété. Voilà. Ah, il reste ça là-haut, j'avais pas vu. Voilà. C'est bon. La fleur est ouverte, y'a plus qu'à taper dedans. Hop là, et j'aurais pu sauver tout le monde. Le truc Twitch en lingerie est annulé. Bah, les gens ont dû gueuler, hein, ce qui est normal. Hein. T'inquiète, tu sais quoi, si un jour je tape les 1 million d'abonnés, je ferai une hot tube, moi aussi.
Donc là, j'ai tout fini. Ah, le jour où j'ai le choix entre Mélenchon et Le Pen, mon dieu. Certains croient que les sanctuaires représentent les gardiens de la forêt. De là-haut, il est facile d'imaginer qu'ils veillent sur ces terres. Ok, en fait, tu raconteras un intéressant, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Voilà. Comme ça, par exemple. Voilà, merci. Hop, autre chose. Bah. Ah, attends. Ah non, ça, c'est pour le machin, là. Bah non, je sais pas. Attends, on va essayer. Ah, ok. D'accord. Donc là, je suis descendu. Il y a des trucs à récupérer. On va en profiter. Hop là, voilà, nickel. Mon bot... Aïe! Ouais, il est tout mignon, ce jeu, je trouve. Allez, hop, on descend. Normalement, je peux déverrouiller cet endroit-là, maintenant. Hein. Oh oh, capitaine des pouces. Pourquoi il arrive? Aïe, mais tu peux me laisser 2 secondes le temps que je m'installe? Ah ok, donc tu fais 3 coups, ok. Bon, le pattern, c'est bon, j'ai compris le pattern, tu m'auras pas 2 fois, mec. Enfin, j'espère, sinon... J'ai l'air d'un con. Allez, viens! Mais putain! Allez, viens! Viens, gueule! Alors, 1 coup, 2 coups... Ok, le troisième il charge. Ok, donc je sais. 3 coups et il charge. Putain la vache. Mine de rien, c'est pas si facile que ça le jeu. Allez. Mec, ça y est, je suis prêt. Allez, vas-y, viens. Ok. Allez, viens. Putain, mais il charge tellement loin! Mais sérieux! Oh la vache! Tuer ou être tué, ouais. Non mais attends, c'est quoi ce boss? C'est quoi ce mob? Et pourquoi mes créatures, elles sont là en mode on est des flippettes? Ah ouais, je croyais que j'avais pété son truc. Mais sérieux, mais arrête de faire ça, mec. Attends, je veux voir un truc. Il y a bien des plantes à côté pour me régénérer. La charge, elle est hardcore, mais en fait, je pense qu'il faut juste que je comprenne le pattern bien et je le ferai pas avoir. Étape, raté. Voilà. Putain, je prends quand même des dégâts en faisant ça. Hein. Voilà, vache, ok, donc lui... Lui, il fait ça. Ok, mais la vache! Oh, la vache! Attends, on va faire un truc avant. Amélioration. Commencez le combat avec 1 action d'euro disponible. Appuyez sur carré tout en bandant votre arc pour créer une flèche imprégnée d'euro. L'arc de canard tirera un coup puissant qui transperce ses ennemis. Vas-y, on débloque ça. Qu'est-ce que je peux débloquer d'autre? Appuyez sur R3 tout en bandant votre arc pour ralentir brièvement le temps. Oh, c'est sympa ça. Appuyez sur R1 après une parade. Je sais même pas comment parer. J'ai même pas fait gaffe à ça. Sur R2 en plein saut pour effectuer une attaque aérienne dévastatrice. La force du bouclier Kana est améliorée. Ça, je veux bien, putain. Ouais, tu parles. En fait, il y a que toi qui parles religieusement. Allez, vas-y. Je viens de doubler mon bouclier. Mmh.
Je me barre. Ça, je gère. Je l'ai eu! Putain, j'ai eu ton fucking cristal, mec. Voilà! Ah, bah tout de suite, dès que je fais cette attaque-là, celle-là, j'ai oublié que je l'avais. C'est violent. Et du coup, on va purifier ce truc-là. Et voilà, on a purifié le sanctuaire en plus. Très sympa ce jeu, honnêtement. Très content de l'avoir acheté. Ma femme le regardait avec la bave aux lèvres. Je pense qu'elle y jouera aussi, tu vois. Elle le finira peut-être pas, mais bon. Oh, regarde. Il a recréé ses frères. Oh putain, c'est triste. Parce que le jeu, elle est... Enfin, peut-être qu'elle le jouera en mode easy et que ça se passera bien, mais elle est pas très... Elle a pas envie de se faire chier dans le jeu. Nous laissons les offrandes près de l'arbre gardien dans l'espoir qu'il protège nos êtres chers. Taro a laissé ceci pour les enfants, il a dû être tellement épouvanté lorsqu'il les a perdus. Un bon nombre d'offrandes se trouvant ici ont été placées par les premiers chefs du village. Les chasseurs doués qui utilisent l'énergie des esprits pour créer des armes puissantes. Ah ouais, bah c'est ce qu'on a. Hein. Je suis sûr que l'arbre gardien ne sera pas dérangé si nous les utilisons pour aider Taro. Ok, offrande de nourriture. D'accord. Tu vois, Uncharted, par exemple, elle le fait en easy, tu vois. D'accord, et ça fait récupérer plein de routes de faire ça. Voilà. Moi, j'achète New World, clairement, Mados. Après, toi, tu l'achètes si tu veux. Tu vois. Ou alors, tu l'achètes pas et tu me fais 50 euros de don. Ça passe aussi, tu vois. Mais franchement, moi, je l'achète. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Enfin, voilà. Bon, bah, de toute façon, on va s'arrêter ici. Donc, le live était sympa, c'était cool de découvrir le jeu avec vous. Je mettrai sans doute le live sur la chaîne VOD. Là, je suis en train de transférer les lives Among Us, que j'avais un peu de retard dessus. Donc, on va faire ça gentiment, et je mettrai ce live-là, je pense, parce que ça nous laissera une petite trace de ce jeu qui coule vraiment. Donc, merci d'avoir suivi le live, on se revoit pour de prochaines aventures demain. Avec potentiellement du Kena encore, hein, désolé pour ceux qui n'aiment pas. Voilà, donc gros bisous à tous, et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Alors, je rappelle quand même, pendant qu'on y est, pendant qu'on est là, autant que j'en profite un petit peu, attendez, je vais mettre le live. Attendez, c'est pas cet écran-là que je voulais. Faut que j'enlève quelques écrans qui servent à rien. Voilà, donc on se met comme ça. Je ferme ça parce que j'en ai plus besoin, voilà. Donc, j'en profite au passage pour dire que normalement, demain, il y a la vidéo sur Tomura qui sort. Je devais la faire aujourd'hui, mais en fait, je l'ai fini. Mais je me suis dit, c'est quand même con, parce que je vais pas sortir une vidéo lundi, mardi, et faire un trou mercredi, jeudi, pour en faire une vendredi. Donc je me suis dit, j'allais se passer d'un truc. Et du coup, elle sortira bel et bien, mais elle sortira demain, la vidéo sur Tomura. Il y a une vidéo qui sort sur la rétrospection des jeux vidéo il y a 20 ans. Normalement, je vais en sortir pas mal. Pendant les semaines à venir, je vais en sortir pas mal. Je vais essayer de prendre le rythme, tu vois, j'ai regardé à des dates clés, tu vois, par exemple le 2 août 2001, il s'est passé ça, le 5 août 2001, il s'est passé ça, faire des petites vidéos de 5 minutes. L'objectif, c'est que j'arrive à atteindre les 4000 heures de visionnage sur ma chaîne jeux vidéo, comme ça, je pourrais la monétiser, ce qui veut dire, pas forcément pour l'argent, parce que je vais rien gagner dessus, je sais, mais qu'elle va être plus vue, parce que YouTube met en avant les vidéos qui sont monétisées. Donc si jamais vous avez envie de m'aider, vous pouvez regarder une vieille vidéo, genre vous allez faire votre vie, et puis vous mettez une vidéo de moi sur la chaîne gaming qui dure 20 minutes, et puis ça fera toujours des trucs, parce qu'il faut faire 4000 heures, et je suis quasiment qu'à 1000, mais après j'ai rien fait pendant 6 mois, donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous pouvez m'aider comme ça, hein, moi ça me va, et puis ça me donnera en plus motivé. Tu as des playlists, je pense que tu peux faire l'enchaînement de vidéos, mais je dois en avoir une ou deux, mais des petites, mais je vais, si tu veux j'en créer une, je vais en créer une avec plein de trucs, mais tu dois avoir l'actu gaming, je crois que j'avais créé, où t'as toutes les vidéos d'actualité de jeux vidéo, peut-être pas beaucoup, mais je vais le faire là, tiens, je vais faire là pendant le matin, donc tu sais quoi, regarde, on est en live, de toute façon, c'est pas comme si ça prenait du temps. Je vais voir si je peux. Je vais voir si j'ai des playlists et si j'en ai, je vais te dire ça. YouTube. Hop.
un peu là. YouTube Studio avec le bon, parce que là, je suis sur la chaîne manga. Non, pas créé. Je veux pas créer de vidéo ce soir. Ça va aller, merci. Donc, je disais, il y aura les vidéos, jeux vidéo, il va y en avoir pas mal. Il y aura... Donc, normalement, demain, il y a une vidéo sur les jeux vidéo. Il y en aura encore d'autres qui devront arriver dans les jours à venir. Et il y a Tomura. Il y aura une vidéo, à mon avis, de SNK dimanche, c'est possible. Je vais voir, je vais m'arranger avec Senpai. On devrait en tourner une ensemble, sur sa chaîne et sur la mienne aussi. Donc, je sais pas si les deux sortiront en même temps. Je sais que lui, il a prévu la semaine prochaine, la sienne. Alors j'ai des vidéos rétro-futur, ouais, j'ai les rétro-futur et j'ai... putain, j'ai fait des vieux trucs, hein. Non, en fait j'ai pas pour les news, mais par contre j'ai des vidéos rétro-futur, j'en ai mis. Mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse d'autres, mais normalement ouais. T'as une petite playlist, alors ça verra pas beaucoup, hein, mais bon. On va faire les heures de visionnage. Bah ça serait cool si vous le faisiez, parce qu'au moins je serais tranquille avec ça, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Mais je veux en faire une avec tout, pour, comme ça ça sera fait. Si tu veux une playlist qui marche, à mon avis, celle de Mario Maker, les vidéos font toutes 20 minutes, donc déjà tu la regardes les 4, ça me fait 1h20 de visionnage. Avec les 4 trucs, c'est cool, quoi. Donc voilà, merci à ceux qui ont participé, qui ont vu le live et tout. Mais si on regarde, deux fois ça compte, je sais pas. Donc dans le doute, tu la regardes déjà une fois, c'est bien. Après, moi, je fais le truc de visionnage automatique, et en général, ils te conseillent quand même des vidéos de la même chaîne, donc ça va, quoi. Mais déjà, tu vois, s'il y avait 2-3 personnes qui regardaient et que je faisais, si j'avais 20 heures de vue qui étaient vues comme ça en plus, ça aiderait, quoi. Enfin, c'est pas grave, on en reparlera de toute façon. Mais merci à tous ceux qui regardent les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Ceux qui participent au chat aussi, c'est cool. Alors tiens, vous ratez un truc, merde, j'ai fermé, sinon je vous aurais montré, parce que là, elle est en train de boire le thé et de faire des bisous à ces bestioles, là. Vous le voyez pas? Attends. Là, sur l'écran qui est ici, là, ils se font des bisous, les bestioles. Elles se font des bisous, c'est trop mignon. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir, on se revoit pour de nouvelles aventures, et d'ici là, ben, je vous souhaite de bien kiffer. Allez, ciao les copains!